Donc là, en vrai, ça devrait marcher. Pom pom pom. Nickel. Oula, c'est fort. Je vais attendre un peu le temps que d'autres gens arrivent. Bon, je m'excuse un peu parce que je pensais avertir un peu plus tôt pour faire le live. Sauf que la planification vidéo YouTube a planté. Du coup, ça a décalé d'un jour. Donc, en vrai, vous avez été au courant cet après-midi. Donc, c'est un peu juste. Bon, je rate quand même que vous avez été au moins quelques-uns de prévenus, donc c'est déjà ça. Si après en plus vous êtes abonné sur la chaîne Twitch, en bref, je vous avais un lien, un petit signal qui vous dit que je Twitch, donc c'est parfait. Et il a fait. Ah ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. J'entends regarder ça, tiens, je vais vous montrer. Il construit. Ah, voilà. Alors dites-moi si le son passe plutôt bien. Je vais le mettre. Si ça passe plutôt bien, si ma voix est pas trop cachée par le son du jeu. François. Ouais, je pense que c'est bon. Je viens de tester, hein, ouais, c'est plutôt bon. En tout cas, je viens de sortir les moments Aaron Gordon. Je sais pas si ça. Non, ça a pas l'air d'être un fake. Hein. Les moments avec Lavine avec des générales pas trop dégueux.
Ah, quand même. J'ai hâte de voir comment ils ont mis à Karl Anthony Towns sur 91. Ils ont dû le cheater à 3 points, le cheater. Bah, tiens, on va jeter un coup d'œil. Cheater en tout ce qu'il faut en meneur. Je me demande pas si ce sera limite le pivot ultime. Santa sans voir. Salut Strugler. Tu me. Ouais, je vais voir du coup ma team. Bon, en vrai, j'avais prévu de refaire encore un pack opening. Je l'ai enregistré. Mais malheureusement, j'ai que de la merde. Bon, non, j'avais fait choix. Facile 200 000 my team point et ouais, il me reste plus de 210 000, j'étais à plus de 400 000 et j'ai eu que de la merde. Et juste après, j'ai vu que ces packs-là étaient sortis. Donc, au pire, j'ai envie de les faire maintenant. J'avais pas prévu, mais on va improviser. Jusqu'à quand je live, je sais même pas du tout. Sincèrement, on va faire. Je sais pas en fait. En ma carrière, je pense que j'ai tout le week-end, tout l'All-Star week-end à faire. J'ai fait rien du tout. J'ai rien fait. Donc, je pense que ça va durer assez longtemps. Sincèrement, avec le Rising Star, on va faire le Rookie, le concours de dunk. Je crois qu'on y est. Le concours à 3 points. Et l'All-Star Game. Donc ça fait au moins deux matchs. Je sais pas, les durées des matchs, je pense au pire le Rising Star c'est un peu de la merde. Au pire, je mettrai moins de temps. Et l'All-Star Game, je mettrai, je pense, un bon gros temps par contre. Pour avoir un maximum de fun. Toc toc toc. Hop, du coup, ouais, on va commencer au pire avant que tout le monde vienne. On va faire un petit pack opening. Avec les duos, les All-Stars, je sais pas qui y a dedans. Tu vois, je vais peut-être voir recherche en chair. All-Star, qu'est-ce qu'il y a dedans? Joel Jervin. Ah ouais, il y a du lourd. Ah ouais, quand même. Apparemment, c'est vraiment des gros. Oh, Karl Malone. Chris Paul, 95. Ah ouais, quand même. Glenn Rice, c'est pas dégueu. George Mikan, c'est tout. Je crois qu'il y a un Magic Johnson, mais alors je crois que ça doit être bien rare. Il n'y a qu'un seul diamant, ce que je vois. George Irving était invité au concours de dunk. Il était méconnaissable. C'était ouf hier. Je l'ai même pas reconnu. Karl Malone, il est tentant, hein, putain. Ah, il y a un Kevin Durant aussi à 96. 81 à 3 points, bizarrement. Ils ont dû mettre, je pense. Ah, voilà, il est là, le Magic Johnson. 90 à 3 points, Magic. C'est un haut du lourd. Walt Frazier aussi. Mitch Richmond, il doit être bien bon à 3 points avec 91. Bah, allez, on va partir sur un pack opening. Tranquillement. Pour commencer, voilà.
Bah par contre je pense que je sens qu'on va pas avoir de chance du tout. Enfin on va bien voir. Ah et la première boîte, de toute façon je joue même plus tellement en mode my team, donc au pire je vais cliquer tous mes points tranquillement. Ok, on a du or, d'accord, Chandler Parsons, génial. La merde. Je vais pas me faire chier à mettre tous les enchères, je vais tout vendre immédiatement. Ah, Shane Larkin. Qui lui est en match game, je vous le conseille, il est ultra cheaté. Oh bah je vois que ça arrive un peu mieux là. Ok, on a encore un élément or. Ah, Glitter One Blair. Sérieux. Il joue encore des Ron Blair? Il doit pas le sentir longtemps, Randy Whitman, à chaque fois. On le voit quasi jamais. Ok, on continue. On a des aimants or, mais. Enfin, on en a. Ah, Austin Rivers. Ça a tellement l'air qu'on chope un putain de joueur. Bon, moi je gagne des cartes. Je crois que le prochain objectif c'est 950 cartes. Mais je crois que je gagne 35 000 crédits. De la merde. Mais c'est déjà ça. L'Avery Allen. Ok, on dépasse même pas les 75 de général. C'est génial. Dites-moi dans le chat si ça marche plutôt bien le son. J'ai checké en vrai tout à l'heure, mais en vrai c'est bon. Mais. Oh, Greg Monroe, voilà le premier or, c'est de la merde. De toute façon, je crois que c'est pas que là, c'est forcément un améthyste. Le joueur le plus, je crois que c'est un améthyste. C'est pour dire que c'est pas de la merde. Ah, je suis Goodwin, mais non. On a même pas plus de chances d'avoir des ors, quoi, normal. Ok, ça c'est le truc, le petit pack basique du full argent, où t'as de la grosse merde. Chacun a le son, mais. Ok, ça c'est le truc. Mon nickel, là, ça marche. Oula, on a. Oh, Derek Favors, mais non. Trois éléments or, et on a un bon gros joueur or de merde, quoi. Le dernier pack, oh là là, c'est une blague. Oh, puis le full argent, enfin, avec un bronze pour finir. Avec Crash Butter, ouais, c'est génial. Bon, on va refaire. Obligé. Tiens, 899 cartes, ça joue juste ce qu'on gagne après. 40 000. 40 000, c'est vraiment que dalle. Allez là, un bon joueur or au moins. Ou un nouveau joueur Matisse, sincèrement. Non, Ricky, j'ai rien chopé. J'ai rien chopé de lourd. Enfin, si y a Marcus Meyer, c'est du lourd. Mais non, à part Greg Monroe et Derek Favors, j'ai rien eu de mieux. Ah là on a du or. Allez s'il vous plaît une chance sur deux. Oh non! Lou Amundson. Ah c'est Louis Amundson. C'est pas Lou. Ah ouais. Putain, je viens d'apprendre un truc quoi. J'ai toujours cru qu'on l'appelait Lou Amundson parce qu'il s'appelait Lou Amundson. Comme Lou Williams. Enfin il doit s'appeler Louis Williams du coup aussi. Je vais checker ça. Lou Williams. Ah ouais, il s'appelle Louis. Ah ouais, j'en apprends un truc. Oh, Jeffer. Boum, c'est de la merde. Marche pas du tout le son?
C'est bizarre. C'est que chez toi, Ludo? Allez, s'il vous plaît. Oh non, elle... Oh, grande tragique, mais non. C'est une blague. C'est bien répondre assez vite si ça marche le son. Faut que je règle le problème. Ok, que de la boostiros. Ok, ça marche, ok. Nickel. Ouais, ça serait bon quand même d'avoir un genre au-delà de 82 de moyenne. Non, si on a eu, franchement, je disais tout à l'heure, on a eu Ilfried Payton, je crois que c'était notre deuxième pack sur 2K, et depuis, j'ai l'impression que 2K, ils ont complètement rabaissé le pourcentage de chance d'avoir un bon joueur, c'est un truc de taré. C'est impossible d'avoir des bons joueurs dans le jeu. Sincèrement, je compte même plus les packs que j'ai fait depuis le début. Et à chaque fois, j'ai dû faire moi plein de packs opening, mais j'ai pas du tout diffusé à ma chaîne puisque j'avais que de la merde et finalement, en fait, c'était plus que chiant. Oh! Al Jefferson. Ok, on progresse. 83 en moyenne. On progresse petit à petit. Ok, que de la merde. Putain, il jette tout en plus. Ah, la grosse blague. J'en doute bien que c'est de la sodomie, mais bon. On a plus que ça qu'à tenter. Oh! Tu disais quoi? Tu disais quoi? Oh my god. Oh my fucking god. Ah oui. Ah oui. Ah, tu l'as dans le cul. Tu l'as dans le cul, Ludo. Oh, mais que c'est bon. Oh, mais que c'est bon. Là là. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas ce que ça peut être. Tiens, pariez si vous voulez parier. Oh, chat. Ah, j'attends vos paris. J'attends vos paris. Celui qui parie bon, je lui donne un Ben Wallace. Ben Wallace, ou si c'est un Crispo, je lui donne. Curry? Non, non, ça peut pas être un Curry. Ça peut pas être un Curry. Ça peut être un Wade. Il y a Wade en All-Star. Ah, ouais, il y a, mais je crois qu'il est en diamant, non? Moi, je dis Chris Paul. Moi, je sens le Chris Paul péter. Oh, Curry en normal. Mais c'est une blague. Mais il y avait 10 fois mieux à voir. Non, ce truc-là, tu viens de gagner un Ben Wallace. GG. Voilà, on avait l'améthyste au bout de. Allez, au bout de 500 000. 500 000 points, 500 000 packs. On a un putain de joueur améthyste, mais Stephen Curry qui vaut plus un clou maintenant. C'est ouf. GG ce truc d'arrivée ou combien, juste pour savoir. Si tu veux un peu plus de 100 000, on va le revendre et puis. Stephen Curry, combien tu vaux? Ah, quand même. On va le vendre. Ah, salut Ludo. Merci. Bah ouais, du coup, on va le vendre. Non, non, bon, on va finir les packs, on va refaire. Même si du coup, là, on n'a plus aucune chance d'avoir d'autres joueurs améthystes. Ce serait le gros coup de bol. Enfin bon, je pense qu'au pire, on va commencer le match aussi, on n'en est pas rendu. Si je vous fais que des packs opening, je vais pas vouloir arrêter.
Donc on va finir là-dessus. Ça me fait un peu le blues parce qu'on aurait pu quand même avoir 10 fois mieux. Enfin, un genre qui est sorti plus récemment, qui a un petit peu plus de valeur, quoi. C'est bon, Curry, je l'aurais il y a 3 mois, c'était bon. Mais là. Et là, c'est de la bonne là. Je sens que là, je vais même pas avoir un seul joueur, quoi. C'est sûr et certain. Je vais rien avoir. Non, Flip Thunder. RIP, mon go. Troisième pack. Ah, peut-être un joueur. Ah, ouais, un joueur. Mentalist, d'accord. En plus, c'est grâce à toi, Ludo, que je l'ai vu. Tu me dis. Au moment où tu me dis. C'est la sodomie des packs. Boum, j'ai sûrement un gros joueur. Donc, n'hésitez pas à dire que c'est la grosse merde, les packs. Je pense que ça va. Ça va augmenter ma chance. Ça serait parfait. Ok, le pack de merde. Ah bah je l'ai dit, là on va enchaîner la daube. Ah mais concrètement là c'est une grosse... chance si on tombe sur un joueur, sur moins de joueurs, on a eu quand même Montaelis. Ed Davis. On l'avait déjà. Le pire c'est qu'il y a plein de joueurs actuels que j'ai toujours pas, mais je compte toujours sur des doublons, c'est assez fort quand même ça. James Harrison, j'en suis sûr que je l'avais déjà. Ah non, tu vois. Parfait. Ça fait au moins un nouveau joueur. C'est plutôt cool. Bon bah avant-dernier, pardon. JFR, on l'a pas déjà tort lui. Si on l'avait déjà eu, c'est génial. Bon bah c'est mieux, on a eu quand même un joueur améthyste. Hein. Ça annonce de belles choses au moins. Encore Montaelis, allez, génial, il y a je sais pas combien de joueurs, mais... Même les joueurs, je pense qu'on a beaucoup moins de probabilité maintenant d'avoir un joueur à plus de 85. Genre les Blake Griffin ou Russell Westbrook, au début c'était facile d'en avoir. Et là, ça devient vachement compliqué d'en avoir, quoi, c'est un truc de ouf. Salut X-Mat. Allez, bah allez, pour finir, Cold River. On avait déjà tout. Bon bah ça va, il nous reste un peu de crédit, si je le revends après l'autre je pourrais avoir un peu plus de 200 000 crédits. On pourra en refaire, ne vous inquiétez pas. Mais on va rester là, puis on va continuer, on va commencer plutôt notre All-Star Weekend. Ah d'accord, en fait c'est un putain de... Qu'est-ce qu'il me raconte l'autre, hein. J'ai rien à foutre que t'es pété de thunes. Alors, ça me sert à rien plus. Enfin bref. Hop, bah, on va continuer. Je suis le patron en tout cas. J'ai foutu de la chatte, quand même. Je sais pas qui entre nous deux avait le plus de chances de prédire un truc. Mais GG. En tout cas, si tu veux tomber une Wallace King, je te le donne tranquillou, Seb. T'inquiète pas. Du coup, allez hop, on a qu'à après mes analogues, ils bug. Voilà, c'est quoi ce bug? Moi, la caméra a un problème. Ok, non, c'est bon. Hop. Je crois qu'en plus j'ai des entraînements, donc je vais les simuler. Ouais, sur 4x10. Putain, là, tiens, on va partir en super. D'ailleurs, ça sert à rien de mettre mal au fin juste pour en plus un match de merde. Voilà, on va mettre un bonus avec l'entente. Qu'est-ce qui se passe?
Sans oublier que c'est Carmelo. Chaussures personnalisées, ouais. Génial. Alors. Ah, j'ai pas été. Ah, si, la Rising Star Challenge. Ah, si, si, si. Vous avez été sélectionné pour le 2017 événement. What? 2017 événement, ah, c'est pas assez beaucoup quand même. Hein. C'est énorme. Très bonne traduction. Wallace. Oui, tu veux bien Wallace, oui. Il vaut plus un clou. Ok. Bon bah allez, on va lancer le Rising Star Challenge. Ah ouais, enfin, je custom des chaussures après, juste pour le fun. Juste pour le fun. Alors je sais pas qui on va tomber. Il y aura de toute façon les rookies créés du jeu. Et sinon, bah, il y aura les sophomores comme nous, les rookies actuels. Donc, il y a grande chance qu'il y ait du Karl Anthony Towns là-dedans. Allez, d'accord, c'est maintenant qu'ils m'apprennent les tirs en suspension. Sais pas s'il me demande X-Mat là, il est. Commentaire du siècle. C'était si fort, Seb, donne-moi ton pronostic pour le All-Star Game entre Ouest et Est. Et dites-moi tous ceux qui sont là aussi si vous avez un petit pronostic. Alors, il y a qui là-dedans? Karl Anthony Towns, il est face à nous. Alors là, c'est pas les. Des beaux maillots, hein. C'est blanc, c'est chier. Oh, c'est okay. Ouais, c'est vraiment l'air noir et. Oula, c'est le Carmelo lui quoi. Un jeu jail. Oh le bourrin. C'est une grosse masse qui mène la balle. Oh GG. Oh oui, on a Devin Booker. Bon, alors là, c'est on va gagner. Hein. Allez, où? Et BIM! Dès le début. Le prodigy en point guard. Okafor out there with Booker and it's O'Connor in the fourth. C'est quoi ce All-Star Game? Regardez le terrain. C'est quoi ce bordel? C'était vu des Clippers, je me rappelle. C'était les All-Star Game à Los Angeles. C'est ouf ça. Enfin, celui qui avait tout cas avait créé. Avait copié. Non, je crois que c'est plutôt un fictif, mais il l'avait. Ok, sur un finger. Il l'avait créé à la base de. Dessus de Los Angeles en 2013 donc. En 2014, pardon. 2014. D'Angelo Russell. Lui est complètement cheaté en saison, mais après une game, il est pas terrible. En simulation, il tourne en triple double limite. Oh bah, là, bah tiens, c'est ce que je vous disais, 0 sur 2. Devin Booker, il s'est dunké ou pas? Oh! J'espère quand même que le All-Star Game, on a les maillots du All-Star Game. Hein. Juste tiens aussi l'œil, hein, mais c'est vraiment de la merde. Tu sais. Bah, c'est comme je voulais faire, bah, je voulais recréer le concours de dunk de. Bah, décidément, allez. C'est quoi ça? C'est aucune défense, bon, c'est normal. Mais. Trois à loup quand même de suite. Hein. Et j'avais voulu recréer le concours de dunk hier. Et ils sont même pas changés de terrain, quoi. Le Star Game, ils l'ont fait, mais alors concours de dunk pour 3 points, faut pas compter sur eux. Carl Towns, c'est manqué, allez. Mais même les chaussures, on a pas de chaussures perso en fait, c'est n'importe quoi. C'est qui cette grosse masse là, Andrew là? Ok, je le traverse en plus. Le mec mène la balle, hein. For so many of the fans, Greg, who are still, you know, just getting familiar with these players, it really is a great welcome to the NBA moment. It really is a showcase, and for each player, whether they have great moments or not, just being chosen to participate is a huge honor, and it says a lot about where they stand amongst their peers. I really hope he doesn't try that move again. It worked the one time.
But he's not the guy to be working the crossover. Faut qu'il tire, gars. Or the three. On va planter un. Ok, gros. Victoire de l'Ouest. Moi aussi, je pense que l'Ouest. Ah, franchement. Ouf. Les gros joueurs, puis même au pire limite pour Kobe et l'Est, ils vont le laisser gagner, Kobe. Oh, belle défense. J'ai dit que ça défendait pas. Non, il se tape. On va lancer Hercule. On va le spammer. Oh, ça court vite. Avec Ruffin. Derrière. À 3 points. Oui, cette fois ça entre. Outside Russell. Voilà, à part d'Angelo. Oh! Il est feu d'Angelo. À part d'Angelo, je sens vraiment. Il pue un peu les bras. The right plate defensively, if you can't block, force him to the line. Yeah, exactly. Prevent the layup. Au moins créer des maillots un peu stylés quand même. Genre, une pire mettre les mêmes. Pas changer chaque année, mais sérieux, blanc et noir et blanc, quoi. Il y a 10 fois mieux, quoi. Au moins un stagiaire qui les fasse vite fait, je m'en fous, mais ça, c'est laid, quoi. C'est moi, sincèrement, c'est ce qui me dégoûte à chaque fois à le faire, le Rising Star. Alors que cette année, les maillots étaient très bien réussis encore. L'année dernière, il était super. Cette année encore. Parfait. Oh, j'allais l'attaquer, dommage. Oh non. I'm breaking down some numbers here, the hustle stats for the Stars. They've made the commitment to get out and run, and it's paid off. Je sais pas qui en a dans les remplaçants, j'aimerais bien qu'on ait des gros dunkers. They've gotten their fair share of points off turnovers so far tonight. Je sais pas qui pourrait y avoir. Si, j'aimerais bien Larinan Junior. J'aurais bien aimé le voir au concours de dunk, lui là, Larinan Junior. Voir ce qu'il aurait fait accompagné des plus gros. Désormais, j'ai envie de dire cadre du concours de dunk, Zach LaVine et Aaron Gordon. Oh, je crois qu'on a les postés, dommage. On ça parce que. Oh, on ne met pas ralenti là-dessus, c'est nul. Now we'll go to Doris Burke, who had a chance to talk with head coach Doc Rivers. He spoke about what a fun time it's been getting to know the young stars who are part of the Rising Stars roster during this All-Star break. He said they are just wonderful individuals and they have the drive to succeed. Que touche la balle, quoi. On est plutôt les c'est pas défendre dessus, hein. C'est tu as un peu de tactique pour les Devin Booker, hein. Je suis à 3 points là. Boom dans le corner. S'assurer ça. Boom. Allez. Mettons une équipe Stephen Curry, Klay Thompson, Devin Booker. Vous assurez le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue. C'est clair. Oula, c'est qui ce tueur? Ah, il y a Stanley Johnson avec nous. Lui, c'est Dunkley. Normalement, même je coûte pas un débardeur. Ok. Bon, ouais, tant mieux alors. Tant mieux. Y'a qui est rentré? J'ai pas vu là. On a un défense sur ce modèle. Oh là là, D'Angelo. Tu vois, de fait, il est pas dégueu. On a Stan Johnson donc avec nous. On fait la passe, il peut monter haut. Oh oui. Ah. Et on a deux rookies et toujours Jaylo Kaffor. Numéro 32. Qui c'est? Je sais pas si c'est Dunké. Following the three-point attempt by Freak. Here's Moutier. And he misses the go-ahead basket. Ouais, ça peut aller vite là. Je t'ai vu, Leach. Mais pourquoi tu vas là-bas? Oh, il a pas de shoot. Oh, le shoot dégueulasse, quoi. And the elites with the possession. They trail by one. To the left side wing. Je fais clip déjà deux pour favoriser l'interception, favoriser les contre-attaques.
Au final, c'est en mode défense bien dégueulasse. Il y a qui dans l'eau là? Après le Pessoa, il y a Monsieur Pessoa. Here's Kane. Oh, he's got to watch himself. Ah ouais, alors peut-être que j'arrête par contre. Two fouls already and he can't afford another one. The elite shooting their 7th and 8th attempts at the foul line tonight. C'est tellement laid les roues qui généraient par leur ligne. On est devant, je crois, parce que nous on est l'élite, tu sais même pas qui on est. Pire, c'est qu'ils ont gardé élite et oh, je vais baiser. Oh non, t'as pas le droit à l'aide, Roy. Allons monopoliser. Oh, on a tellement cher sur cette action. Ah non, on perd en plus. A prodigy, he's in a point guard. Booker out there with Okafor. And it's O'Connor in at the four. Here's the prodigy, the feed to Okafor. Ils ont fait un petit écran. Ok. Merci. Ça marche là-dessus. Salut, Luki Ira. Salut à toi. Sache que t'as loupé un meilleur poke opening du siècle. Oh oui, on est parti. Allez, refine. Oh boom! Non, il s'est pas shooté, mais c'est bien bloqué. Au moins, c'est déjà ça. Et là, on est en plein Rising Star Challenge. Oh oui, c'est manqué. Ah, c'était sûr, soit j'allais à droite, je me l'avais piqué aussi. C'est chiant ça, les mecs font même pas, ils tentent même pas d'assaison, mais vous dribblez dans les chaussures. C'est chiant. Trop de ballons quand on est meneur ou même quand on joue tout court en jeu. Enfin, des ballons vraiment qu'on devrait pas perdre. Quoi. Merci, Devin. Oh, le campeur! Oh, Carl Jones, le campeur. 3 secondes. And he shows the focus there, nails the technical. And we're a little over a minute and a half into the second quarter of action. Ah, ça marche plutôt bien. Oui, on l'a raté celui-là en montant en ligne, je me vois ça. Sur 4 fois. Ouais, c'est ça. They need much better communication defensively. Je pense par contre on va quand même devoir essayer d'aller la chercher cette victoire. Parce que eux, ils ont l'air de la jouer sérieuse. Oh là là, oh le monopoliseur de ballon. Non. Non. And they continue to control the glass. Guys, I think they've simply been the more physical team, and that's why they're ahead. Non, c'est Arty, non. And so here are the elites. C'est bizarre comme ils jouent à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur. Genre bien bugué. Non mais faut peut-être pas le laisser passer quand même. Il veut les buts du Rising Star. Clairement. Runs him right into the screen and then gets the basket. Ouais, il est en mort. Quindale, alors il a combien 62 moyenne en plus, oh bah d'accord. On va pas se faire battre par un mec qui est son tute de moyenne quand même. On peut passer en backdoor, il y a juste pas un qui nous casse les couilles. Ah, oh, je l'ai trouvé, elle a tellement passé. Il a sauté, non. Allez, j'aille. Boum! Lui, j'ai eu par contre au résultat, il avait tellement pas sa place que c'est pas du tout un pivot athlétique comme on en sort de maintenant, comme des Carl Anthony Towns ou. Alors là, je suis en plein dessus, quoi, c'est n'importe quoi. Et du coup, c'était bien là comme joueur. Oui, on est passé! Oh, la faute à une douane. Boum! Allez! What a job he's doing here. I mean, his second quarter has been even better than his first, and that was pretty good. The Stars have made their only other free throw attempt today on an earlier trip to the line. And it's the elites with the ball. It's a 5-point game. C'est un écran, ça. Il va la lâcher dans le moment, il s'est obligé. Voilà, il les rate. On a le rebond.
Allez, allez, numéro 7, la refine. Refine. Oh, c'est ouf. Non. Rassurez-vous, le mec, il a mis que des alus, je crois. Oh, on a dévié cette balle. Okafor grabs the miss. I'm a fan of anybody who defends that way. I mean, they weren't about to open the door and just allow him to cruise in for a layup. Bah non, même pas, il a l'air. Boom, on plante. The Prodigy's got 10 points in the quarter. Wow, you don't see him make plays like that very often. That's a nice move there for the Bastion. Eh bah voilà, on revient à 2 points. Ah bah faut pas nous chercher. 13 points, 3 rebonds cette passe. Bon, malgré un magnifique loup raté quand même. Let's find out what Doris Burke has for us. The break, I listened in on what the head coach for the Stars was trying to get across in their huddle. He told his guys that their offense needed to run through the Prodigy. Coach has a lot of faith in him offensively. Il avait sorti, alors ça va être pour nous. Ah, les changeurs vont voir. Non, c'est l'Angelo finalement. Ah, en fait, c'est personne aussi. En fait, lui, il sert à qu'une chose, c'est rater les tirs à 3 points. Ouvert. Ok, elle passe. Oh oui. Ah, dommage. C'est cool. Pas dégueu. Ouais, c'est l'arbitre qui est complètement opposé. Le lancer franc d'abord, qui se fait cliquer à la flemme de générer des lancers francs aléatoires. And it's tied up with that one. Et c'est ouf quand même, c'est la génération des rookies quand même, c'est un truc hyper important en mode ma carrière et toutes les ont rien à foutre. Allez, marcher. Au moins, c'est pas comme Draymond Green dans le Chat in the Fool, où il fait 12 pas, je crois. Connerie comme ça. Oh, allez. Oh, boum! And really, he epitomizes what a point guard should be. I mean, his skill as a passer might actually be matched by that creativity he shows around the rim. Well, judging by that jam, Greg, I'd say you're absolutely right. Passager le Kefor. Nice surge for them just when they need it. Ah, D'Angelo. Il plante D'Angelo. Hein. Je sais pas combien il a de points, mais il plante. A lot of pressure on the interior defenders with the way they work down low. Devin Booker. It's becoming a theme in this game, Clark. Ah, oh, refini un bon tir là, ouais. Ouais, non. Non, non, non. C'est les. Oh, pas ça. Quoi? Mais attends, mais le mec, il a démoli le pauvre film. Effort and determination on the glass can make up for a lot of other weaknesses. So both teams making some changes here. Non, non, non. Il en est en bagarre avec Emmanuel Moudier. Et là, on l'a vu, Rising Star, il savait quand même bien shooter à 3 points. Il se pétait des gros dunks. Ouais, on a défoncé le même. He knew what he wanted to do all along. The teardrop. On va essayer de casser des chevilles un peu là. Ah, ça c'est obligé. Le move de trop. Oh oui, par derrière. Oh, que c'est beau. Here's the prodigy. Et le 3-6 Hey guys, that's a big swing right there. I mean, taking the steal and then turning it into two easy points on the dunk. No telling how important that sequence could turn out to be. And guys, in a game, oh, la pression défensive. Rising Star, ça c'est beau ça. We usually look back on at the end. Ah, Carlton qui a pris de vitesse, GL. The Stars trailing. Ouf, ouf, on l'a déposé. Ah, il y avait des... Oh, bah si, ça passe. Oh, Antoine. Ouais, l'arbitre, qui monte. Ah, on sort et on est devant la mi-temps de 3 petits points. C'est pas mal, c'est pas mal. On est bien. Plein de messages de spam, hein. C'est quand même fou Twitch. Et on peut pas les supprimer quoi. Ah si. Ah.
Ah, c'est bon. Ah, on est de retour du coup après. C'est passé plutôt vite hein, finalement. C'est passé plutôt vite. Non, allez, bête celle-là. Et s'il va rentrer un tir lui. Ah ouais. Ah, il se rapproche en même temps, il a compris. Donc, juste enlever un truc qui m'agace plus que tout. Voilà. Then it's Russell and it's Andrew in at the small forward position. That's the five to begin the second half for Doc Rivers. Move the ball. Here's the prodigy. Kicks it to Okafor. Throws it up high. J'ai tenté. Ah mais c'est oh. But he recovers it. Pass to the prodigy. Devin Booker. Just three to shoot. Ah, il a merdé. Here's Booker. Can't get it to go. Oh non, c'est pire au moins pour aller. Oh, quelle belle passe. Good in the assist goes to Russell. Russell's got six assists now in the game. I tell you what, fellas, we're seeing some really good ball movement out there. Oh, ils font plus à deux. Oh, c'est petit, hein. Franchement, c'est petit. Là. Oh, putain, on l'a mis dans les choux. Down low. Il avance. Pascal Towns. Oh, quelle défense. Towns has got three rebounds now in this one. Here's Andrew. That one a little long. And the Stars have possession. They trail by one. Booker with it. He's picked up by Russell. On est passé la ligne de fond. C'est passé. And the bucket from the prodigy. The prodigy's got 19 points. Salut à toi, The Man. This game has a lot of character here in the third period. Yeah, you know what, guys, I love seeing this. Comme tout à l'heure, t'as loupé un magnifique pack opening. Et là, on est en Rising Star Challenge. On va péter un gros Thomas. Boom. Well, that's why they're on the lead. Aggressive play. 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 Oh, Antoine! And maybe even more than that. I mean, you saw it right there. Without his presence, that's an easy basket. The Stars shooting their sixth attempt at the charity stripe in the game. Il doit pas être très très bon lancé, lui. Ah, le lanceur font tirer même du Jabbar en plus. Ah, putain, il est bien en place. Ah, D'Angelo, il est tout seul. Oh, il est chaud. Ouf. Vas-y, je prends D'Angelo. There's the pass to Porzingis, an easy layup after coming off the dunk. En plus, quoi, les gars, c'est un spectacle. And really, the defense didn't do a lot to fight around that screen on that possession. Donc, on s'est passé en backdoor comme tout à l'heure. Oui, on est passé. Non, il a pris une heure avant de la faire. A little under 2.5 minutes gone by here in the third. Ah mince, non. Godzingis, ça se prend moi. Porzingis a 5 points now in the quarter. Just look at what a sniper he is from long range. He's got such an unusual skill for a big fella. Oh, here's the prodigy. On l'a mis sévère. Non. On avait skippé. Usually, if he gets to the rim, he's converting it into points. But the defense stood tall there. Ah, il est là. Here's Russell. Ah, on avait fait l'écart à l'aérienne. C'est dommage. Allez, les mecs, c'est pas ok. Bon, allez, c'est pour toi, Devin. Allez, simple petit démarquage, pointe. Oh, on va le passer backdoor. Oh, boum! Oh, la Steve Francis. Steve Francis, plutôt. Boum. Devin Booker, il se démarque vachement bien. C'est ça aussi, le talent d'un shooter, c'est de savoir se démarquer. Let's go quickly over to Doris Burke for an update. During that break, Coach Rivers had some words for his team. He laid out their priorities for them, which began with his admonition that offensively they personne à se démarquer. Oh, si c'était Dalley. Ah mince. Ah, il y a tout le temps faute là. N'importe quoi. Il est en tâche tellement dans le duo. C'est moche de faire ça. And so Russell hits them both. Impeccable from the line since halftime. No misses yet. You can't do much better than that, guys.
Move the ball. Stick Here's it to the us. Prodigy. Boom! Move the ball, deux quoi. Ça va être un peu plus sombre, mais moi, ça me donne. Moi, mal aux yeux. Appropriate for the occasion. That's how to get these fans revved up and excited. Now here's Towns. Ok, attention, Andrew. Oh, le backdoor, il est beau. Oh, quel And they'll keep possession. Ah là là. Here's Towns. Okafor grabs the miss. Je t'ai vu, Ruffin. Oh non, j'ai mis. Merde. Ah, j'ai chié. The Stars have shot a good percentage from the free throw line so far. They've made 5 out of 6. And that one misses. C'est nul, hein. C'est nul au shoot. C'est dunk, en fait. Pour ses stats, d'ailleurs. D'Angelo, déjà 15 points, putain. Ruffin. C'est quoi? Pourtant, il a 11 points quand même. C'est voir. 63 à 3 points, ouais, non, il est nul. Putain, il a 82 lancés, 71 en dunk seulement. Il est 1 sur 2, d'accord. Bon, là, je suis content, j'ai mis mon petit cake. Outside Russell. 58. Shot clock at 6. 5 secondes, il va devoir être clutch. Shot clock cheese. Allez, airball. Même pas. Il touche au marceau. Allez, allez, prends la vitesse. Oh oui, qu'est-ce que c'est, Kinga. On va le faire danser. Oh. The elites pull it in. Non, il te fait encore. On l'avait fait danser, le petit Gozingis. Et perd la balle. Petite balance. Allez, Jail. Oh, c'est bien fait ça. Out to the right wing. Oh, bye. Je veux jouer. Oh non, mais. On arrive à le passer, puis bah ils sont 50 points sur moi après. Oh non, pas lui. Oh non, t'abuses, Jail. Oh, Jail, il s'est pété la rondelle au rebond. En même temps, il a les deux. Il a pas envie de se garantir sur sa bloquée, parce que l'autre truc, il est nul. And a moment to look at the scoring approach in terms of where the points are coming from for the Stars. And guys, something every team strives for is getting points off of turnovers, and they've done that here. Ah ouais, c'est prévenu. Apparemment, m'a dit que le concours et les concours étaient buggés. C'est ce que tu me dis. Je pense plus faire le concours à 3 points que le concours de 2, c'est de la merde. En tout cas, je parle. Donc à voir. Mais qu'est-ce qu'il reste planté là, lui? Il est con, putain. Allez, passe-toi, il s'est contré là. Envie de balancer. Balance Booker. Oh, les connards. Oh, Godzingis, il a des bras. C'est des tentacules de tout. Ouais, ça c'est pour Devin. Ouais, ça c'est la même technique que tout à l'heure, c'est pour Devin, mais ça finit pour Devin. C'est tout cas, c'est magique. Ça c'est un peu wake-up pour l'instant. Hein. Oh là là, mais il se balade. Elle fout des frappes. C'est pas mal qu'il défend dessus, je comprends pas, il doit jouer arrière, c'est pas possible. Ah oui, Jail, bien joué ça. Oh, le duel en tête de file. And guys, what do you think about the hustle stance for the elites? We've seen them make the extra effort from a defensive standpoint. Les deux sont pas top, hein. Le dunk est mal fait parce qu'il n'y a pas le vrai terrain. Non, c'est plus réaliste ou non pour le 3 en fait. C'est surtout ça. Encore genre un ailier arrière dunker, largement genre plus dunk. Mec, un meneur, oui, non, ça le fait pas trop. Quoi. Stan Johnson, si on peut te mettre en backdoor d'alloup. Oh, parfait, le backdoor. Oh, fessé, allez. Now, here's Moutier. He's guarded by Johnson. Kane, that's good. Boy, the D has to show a little more fight on the interior than they did on that trip. They've got a battle inside. This game has been a battle, and maybe they're starting to just. Ah, dommage. Oh, oui, bien joué, Jail.
And that one's good. Il a jailli. 8 points for Jahlil Okafor. Yo, salut Constantin. Boom. Allez. Oh non, qu'il est bon. Whistle blows and a foul on the defender here. It's a shooting foul, so free throws will be coming up. Yeah, the defender all over it. Greg, he got him good there. I mean, that's why the shot was so far off. Salut, Zatias. Well, they're making the defense pay. Donc les gars, on est dans le Rising Star Challenge. Après, on placera. On ira faire un tour de côté des concours. Oh, on est passé. Oh, le poster. C'est très nice. Il a pris. Oh, c'est très nice. Nasty. On l'intercepte. Oh, il y a Stanley. Oh, il est trop loin. Oh, boum. Oh, non, c'est tu m'étonnes. Great anticipation and awareness to come up with the steal and trigger the fast break. Oh là là, oh, il est chaud. Oh là là, Emmanuel, il est passé. Outstanding play in the open court. Frozen. Allez, pour toi, Leash. Merde, il va pas dur de lui. Oh là, oh, il va vite lui. Ouh. No telling how important that sequence could turn out to be. And guys, in a game this snug, moments like that are the ones we look back on at the end as a difference maker. Man, that is a missed opportunity right there. And he'll be the first to tell you, Greg, that's the one he should have knocked down. Moutier dishes to Kaminsky, feeds to Moutier. Oh, Moudé, il force le game face à nous. Oh, là là, en même temps, on a plus de soutien à part Samuel Johnson. Sincèrement, on a personne. Oh, on est passé. Oh, là. Et on sort. Et on est de retour à 9-19. À la fin du match. 4 points seulement. Oh, on la met là-bas. Ah, c'est pour nous en plus, c'est parfait ça. Hop, écran, la stratégie plus longue, tu meurs. Ça nous mène à rien. Si, Devin Booker à 2 points. Ok. Tu rates ça. Oh oui. Oh oui, on a intercepté dans le jeu en plus, c'est parfait ça. Main gauche. Et marque des 3 points de match. Ouais. Même si on l'avait pas déjà fait. Non, on remet un 2 petits points, il reste beaucoup de temps. Hein. Et on est doublement de fire, là je sens que je fais Artie à 3 points, je vais faire mon Curry. Lui il sait pas jouer. Hein. Non. Non. On a pas le droit de... Oh là-bas, O'Connor. Oh, bien joué ça, Devin. Sérieux, Devin? Non. Là, c'est une grosse blague. Ok, personne qui défend sur Tony tout à l'heure. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut compter que sur nous. On va aller partir sur Russell. Oh oui! Non! Mais non! Oh la blague! Oh putain, le marqué! Oh putain, les idiots! Oh, c'est qu'il y a des runs, sérieux! Ah là là! Merci, quoi! Ah, c'était tout à l'heure! Ah oui, Devin, bah alors là, t'es seul au monde! Voilà! En fait, si tu peux mettre que les 3 points, pas des 2 points! Non, non, j'ai pas fait le combat au dunk, je suis au Rising Star Challenge. Ça sera juste après. On a fait juste avant, on a juste fait un. Ouf, un peu opening. Et Oh, alerte! Quoi? On a raté! Remarkable shooting here. And so, here are the elites. Certains diront script. Outside Russell. Oui, bah, bien sûr. Oh, balance, connard. Oh, Devin Booker, on t'a vu. La faute. Oh eh, sérieux, là, c'est... Franchement, c'est tout ça. Enfin, regarde que c'est sur la maison.
Daly. J'ai eu quoi dans les packs? Dans les packs, j'ai. Attention. Il y a un petit joueur améthyste qui s'appelle Stephen Curry. Au moment où on disait qu'on n'avait rien et tout, et que c'était... Oh ouais. Wow. Nice work on the inside. Hard to get that one up and over. The big fella. Ouais, on a eu un bon petit Curry au moment où il disait que c'était un peu plus d'avoir. J'ai ouvert les packs spécial All-Star Game là. Et bon, je sais pas, je pense avoir un sous Curry. Bon, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc il vaut moins cher. Et bon, la hype. Ouais. Non, Daly. Mais sérieux. Il a raté lancé. And on top of that, they're making their free throws. Je comprends pas, le mec qui joue arrière là, le gros monstre. J'ai envie de savoir qui c'est. Il me fait marrer, moi. Queen Daly. 25ème choix de la draft en plus. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui là? Moi, c'est le 5. Ah ouais, il était moi aussi. C'est le 5, c'est lui là, Jess Andrew. Il a 2m13, 107 kilos. Et le mec, ils le font jouer à arrière et lié. Le mec tellement en tèche d'arrière. Non, oui! Oh là, Léo! Oh, je le mets au sommet, parce que là, elle est pas facile à passer. La folle, ouais. T'es écrit, t'es bien. Château, je pense que c'est ça que tu voulais dire à la fin de ta phrase. Non! Oh oui, pour je suis super. What's up? Bah, ça va bien, et toi? What are those? J'ai mal prononcé, c'est pas très grave. Water Rose. Mais putain, quoi jouer? Mais attends, il y a Devin Booker. Ouais, non, je veux pas de tour, boss. C'est de la merde. On fait pas de poste sur le Rising Star. Par contre, ça, oh oui, c'est beau. Et là-bas, le 25, le 25. Voilà. Mais non, mais. Mais tiens, 3 points. Il amène. Allez, viens, on fait un petit plein sur Daly. Allez, il voit plus le jour. Allez, il voit plus le jour, il zigzag. C'est un balleur ce mec. Non. Attention. Bien joué, Devin. Le mec a pas lâché la balle. On t'a vu. Non. D'Angelo. Sérieux. Allez, un peu. Il perd la balle là. Il force le game depuis tout à l'heure, les mecs. Ils perdent pas la balle, ça m'énerve. Ça, le problème, c'est que l'ordi, c'est vachement dur. Allez, choper la balle. Ouais, le Curry à 93, bah, c'est pas le meilleur Curry, quoi. C'est pas le dynamique, c'est pas un spécial. En gros, il est pour diamant, quoi. Ça fait un peu les boules. Non, c'est pas grave, là, il y a peut-être un truc à jouer. Il a coupé, voilà, je lui ai demandé de couper. Il est dur. C'est où on est, là? Ah, il y a le money time, hein. Il y a match, hein. Sincèrement, il y a match. Ça joue plutôt bien les deux côtés. Oui, un intercept. Non. Voilà, bonne dé. Yes. Oh, la pression. Oh là là, il a des pattes en plus. C'est ultra laid, le pauvre. Là, coupe. Voilà, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est mon gars, lui c'est mon gars sûr. Il y a vraiment un match, ça fait plaisir. De plus en plus nombreux à venir sur le live, ça fait vachement plaisir. On n'a jamais été aussi nombreux. Et ça fait que commencer. Carlton. Oh là là, il force. Il est contré. Il la garde. Il va forcer le play. Oh. Venir, on est chaud. Non, attends un peu, moi. J'ai rien dit. Genre. Je laisse. Je serai All-Star Game. J'y serai. Sans problème, j'y serai. Oh, Devin Booker, il rate les shoots les plus faciles, mais alors il est plus compliqué de les mettre. Passage en force. Carlton se poste, il va la mettre. Et il sait qu'ils ont peur, D'Angelo il touche plus de ballon, Daly non plus.
Il sécure au poste avec Carlton. Ah, on va jouer une seule avec Devin Booker, je le sens bien. Ah non, c'est un truc pour Ruffin, bah, c'est parfait. C'est Ruffin, Booker, c'est les deux, ça passe. Voilà, c'est Ruffin. Oh. Pas de balle. Oh, attention à Andrew. Andrew, il est trop nul. Le mec, 5ème cheveu de la draft, c'est une grosse bille. Non. Oh le bâtard. Oh le petit Ruffin là. Le petit Daily, pardon, je comprends les noms parce que je les connais pas, c'est des joueurs créés. Mais non. Je jouais. Non, mais. Il est tellement lent en fait que. Oh, pour plus, on dirait qu'il a des cernes, mais. Ouais, je joue en my team. Oh, puis les deux, alors là, c'est le summum. Enfin, j'ai arrêté. Parce que c'est de la merde comme mode, finalement. Les cautionner les cartes et tout, c'est sympa et tout. Mais sinon, c'est de la merde après le mode en route pour les playoffs là. C'est du run and gun, ça fait que de foncer dans le tas. C'est pas forcément plaisant. C'est juste sympa si tu veux jouer avec l'autre joueur. Non, mais je suis bordel. Ouais, on va se concentrer pour aller chercher cette victoire là. On va d'autres questions après. Devin Booker, place-toi, allez! Place-toi, t'es tout seul, tire! Mais le sérieux! Ok, on est pas clutch. C'est pas nouveau. Bon, alors, c'est ça. Hein. On a combien de temps mort? Non, attends un peu. Oh, je suis derrière. Voilà, deux points, ça assure. Quoi? La faute! And one! Oh, oui. T'as rien dit sur Wiggins? Enfin bref, 94 partout, 2 minutes à jouer. C'est chaud patate. Ah, c'est en chaud, hein, par contre. Ah, ils ont sorti d'aller. Ils ont compris là, ils ont compris qu'ils faisaient perdre le match chez eux. Non. Ah, par contre, on défend pas sur Russell, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Là, ça va jouer. Ah, il ira sur encore. Mais bon, là, on a Okafor. Voilà, Okafor. C'est en défense. Voilà, mais bon, là, ils ont pris le rebond quand même. Hein. Ah, la bataille, c'est bien passé. Non. Fais un peu le jeu, gros. Le son du jeu? Pas de soucis. Ah bah oui, là il a été remis. Ah, c'est les commentaires, c'est 185, il fallait me le dire. Ah, les commentaires, sinon on va baisser, je pense. Ça gueule pas mal, hein. C'est raté. Booker. S'il te plaît, mon gars. Mais pourquoi tu prends un shoot comme ça? Oh non. Mais qu'il est con. Non. Oh là 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 là, non. Ah oui. Non, sérieux, les rebonds, les gars. Sérieux, non, mais là, Carlton, c'est en train de nous tuer, quoi. T'es le cafard, c'est une quiche. Bah, j'aurais peut-être rebaissé le son, ça vous a peut-être raison, encore une fois. C'est le choix, c'est le volume du public et du joueur. Ouais, je joue sur Xbox One, hein, oui. J'ai mal à entendre, oui, non, j'ai pas souvenir de tout avoir parlé de Wiggins, mais. Je joue au My Park, oui, je joue au My Park. Salut à toi, Teuf. Et joli 3 points, ok, merci. Oui, c'est vrai, je suis clutch maintenant finalement.
Attention, attention à la sortie d'écran. Non, pas d'Angelo. Carl Towns, mais il est tout seul. Carl Towns, mais protégez-le. Il fait 3 secondes raquette l'autre. Oh là, ça fait une heure qu'il est dans la raquette, y'a rien. C'est n'importe quoi. Il rate. Non, c'est bon, je la donne pas, Booker. On attend un peu. Non, mais toi non plus, je vais jamais te la donner, mon petit gars. Je crois que la faute, voilà. Mets les deux, je t'en supplie. Je t'en supplie, mets les deux. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui! Ça soulage. Mais non, mon équipe commence pas à faire de la merde. On gère, au contraire. Au contraire, on est bon, on est très bon même. Tension, tension. On mise tout sur toi. C'est le joueur du match, c'est lui, O'Connor. Vous savez quoi, c'est le jeu de points. Oh oui. Non, on est contré. Mais ça a été complètement con de ma part. Ah, oh, c'était bien stylé pourtant, mais ouais, par Zimbis, 2m42. Allez, Booker. On va prendre ça dans la dernière position, en fait, surtout pour ça. Si un parce que je vais lui acheter un shoot au buzzer au moins. Demande ton transfert et. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le connard. Tu vas payer, Karl. Tu vas payer. Voilà, les gars, vous me donnez la baballe. Hein. C'est bon, pas de conneries. Ouais, Devin Booker, je viens, mais alors. Ouais, connard, connard, il est bon. BOUM! C'est ça qu'on veut! C'est quoi ce shoot, ce missile? Oh, que dis-je, ce Tave Maria? J'ai vu le chrono chez moi, allez, est-ce que je le prends quand même? Parce que c'est pas au buzzer, mais alors celui-ci fait mal. Oh, je suis méga loin! Oh, je suis mais méga loin, quoi! Et notre joueur il se retourne, c'est génial! À la Gilbert Arenas! Oh, c'est épique ça! Je vais la mettre en nouvelle intro YouTube! Oh, ce shoot! À la Gilbert Arenas, je kiffe! Oh, je kiffe, mais un truc de ouf! On peut pas faire. On peut plus faire le mode montage en ralenti. C'est quoi LR plus CR? Ah! Montage réalisateur. C'est ça que je voulais. Sortie d'écran. Le shoot à 3 points. Bingo! Je crois qu'en plus, il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs musiques. Il y a plusieurs. Non, celle-là, elle est dégueulasse. On a une autre ou pas? Je crois que c'est la même, celle-là. Non, c'est pas la même. Celui-là, elle est bien. Pouf! Oh, le shoot, il est magique. Par contre, il reste une seconde. Une, les gars. On peut se faire des gommes. Une Joe Johnson, ouais. Non! What? Oh là là! Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce troll? J'ai même pas eu le temps de jouer. Regardez ça! Je suis là, je suis assis sur le banc. What? C'est quoi ce délire? Mais what? What the fuck? Oh, le bug le plus ouf que j'ai jamais vu dans 2K. Oh, heureusement qu'on le gagne. Franchement, heureusement qu'on gagne. Mais non, mais c'est quoi ce jeu buggé, mon gars? Le mec vient chercher 3 points, il est tout seul, quoi. C'est n'importe quoi, Mouday le débile, quoi. Oh, on a gagné. Oh, bah putain. Oh, quel match. Oh, quel match. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Ave Maria. Oh, bah putain. Ah, j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Hein. Ça aurait été un gros shooter. On était foutu, je pense. 37 points au final, 7 rebonds, 15 passes, 5 inters, 2 comptes, 15 sur 27. Que demander de plus? Ça m'arrive ce bug des fois. Ah ouais, chaud, bah putain, si je suis pas le premier, ouais. GG Touquet. Ah, mais là, quand même, c'est d'une force.
Ah, 37.15 sur cette passe. On va rester hein, surtout. Je vais juste faire un petit break de quelques petites secondes. Et on est reparti. On est parti juste après pour le concours de dunk. Hein. Donc non, restez vraiment. Je vais juste couper deux petites secondes. Ou quoi que je sais même pas, attendez. Non, au pire, c'est bon. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On voit donc nos highlights de fin du match. Oh là là, c'était beau tout ça. On va quand même voir les stats parce que, à mon avis, ça a dû pas mal bien jouer en face. Parce que Carlton, il a dû faire un bon gros match de bon aussi. Il a dû prendre je sais pas combien de rebonds. 17 points, 11 rebonds, 3 contre, 0 perte de balle, 8 sur 16. Il lui a manqué un peu de clochitude, mais lui était bon là, lui là. Timmy Kane. C'est lui qui s'est pas shooté, mais alors il était rapide, hein, putain. Où est-ce qu'on voit la rapidité? La vitesse 82, ouais, il était rapide. Hein. D'accord, je comprends pourquoi il est pété lui. C'est un... il joue aux Clippers, ouais, d'accord. C'est normal, D'Angelo, ouais, D'Angelo complet quand même. Porzingis quand même, fait un point. Avec 9 tirs. C'est quand même balèze, avec 9 tirs seulement. Andrew 4, putain, ils ont pris combien de rebonds au final? Nous on en prend 7. Et O'Connor il est bon. Will O'Connor, mais dans les Sixers c'est quoi? Ah ouais, il a 67 de moyenne. Troisième pick. Ah ouais, il était bon. Putain, on avait des. Ah ouais, ok, en fait on avait les meilleurs. On avait les deux meilleurs rookies limite. Et je sais pas qui était le premier choix. Lui c'était le quatrième choix. Il a presque pas joué. Lui c'était le cinquième. Je sais pas qui était le rookie. On avait notre poteau Lionel Soto. Je sais pas qui était le meilleur. Et Ruffin il a vachement bien joué, sincèrement. Booker aussi 2 sur 3 à 3 points. Il y avait même pas le first pick de la draft quoi qui était présent. Ok. Normal. Enfin bref, on va continuer du coup. On va enchaîner tout de suite sur le concours à 3 points. Oh bah oui, bah dès qu'il y a moyen de clasher les Clippers, moi j'y vais. Hein. C'est facile en plus de les clasher. Je vais faire un petit coup. Mon équipe préférée. Putain, encore cette question, mais décidément. J'en ai pas vraiment. Je suis quand même en ce moment fan des... Non, je vais pas dire que je suis fan d'équipe préférée. J'aime bien voir certaines équipes. Il y a des équipes que j'aime pas voir jouer. Et en ce moment, j'aime beaucoup voir les Spurs, les Celtics. L'année dernière j'aimais beaucoup les Bucks, ils proposaient un beau jeu, cette année c'est un peu moins le cas. Mais ouais Spurs Celtics c'est mes bonnes équipes que j'aime bien suivre en ce moment. Ok donc on est parti, donc là tu me dis que ça bug, alors 6 minutes jusqu'à cette date, ok faut faire quoi là? Faut faire ça? Pas d'entraînement, pourquoi je bosse que je vais faire ça? Au cas où, si ça lance sur l'All-Star Game, j'ai quand même modifié. Parce que là, All-Star Game, on va jouer en 4x12. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'on joue tout le match, c'est surtout ça, en fait. Comme ceci. Prêt pour ce soir, je suppose que tu parles pour le All-Star Game. Bah à fond, hein. Dernière étape. Golden State, les Warriors, j'ai meilleur. Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, ok, je t'aurais cru. Que tu étais un vrai fan des Warriors, mais non. Ça marche pas là cette fois. Mais je pense que ton idée à la fin, je pense que c'est de l'ironie. Donc ça me va. Simule le jour, même, ok. Ok, ça marche pas. Ah d'accord, si.
Ok. Ça m'a fait peur cette connerie. Parce que je le vois pas le. Ah oui, d'accord, c'est Charlie. Alors, il y en a un des deux qui bug, donc on peut faire qu'un des deux. En gros, c'est ça. Hein. Vous êtes sûr à certains. Donc, bon, on va jouer. De toute façon, c'est dans l'ordre. Puis, on va faire le concours à 3 points. Si ça marche, on fera le dunk. Alors, on est en compagnie de Carmelo Anthony, James Harden, Irving, Paul George, on a personne. Ok, il n'y a même pas Klay Thompson, il n'y a même pas Curry. Il n'y a même pas Devin Booker. D'accord, hein, je pense qu'on a largement notre chance. Je pense que ça va être surtout Harden et Irving qui vont faire mal. Carmelo, je le sens pas, personne non plus. Plutôt Ouest ou Ouest. Alors, j'ai tout le temps, j'ai grandi en étant fan des Est pour Iverson, T-Mac et Vince Carter. Et là, non, j'ai pas préféré. Je pense juste que c'est les Ouest qui vont gagner parce qu'ils ont l'effectif le plus fourni, le plus riche. Donc, il y a grande chance que ce soit les Ouest qui remportent, même si bon, l'All-Star Game, n'importe qui peut gagner. En tout cas, on est tous présents. On est prêt pour le. Pourquoi 3 points? Au moins, ils ont présenté un peu. Ah oui, d'accord, il y a vraiment le terrain dégueulasse. Juste le maillot à domicile blanc. On blablate avec Carmelo, c'est notre grand pote Carmelo. Il essaie de nous recruter à New York. Je me parle de Zona, il est en train de chambrer James Harden. Ok, il est en train de faire des moves chelous et tout. Son blabla. Et c'est James Harden qui va commencer, 21 points de moyenne, 5 points. Putain, les stats de porc. En espérant Kobe. Genre Fury n'est pas oui, c'est bizarre. Tu penses quoi de Vince Carter? Comment ça, je pense quoi de bien, quoi de lui? Parce que Vince Carter. Ouais, je sais pas, non, tu veux que je réponde quoi? Bah, MVP, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Même si je suis plus un anti-Kobe, mais bon, on apprend à reconnaître son talent au fil des années. Et ouais, ça va changer quand même, quand il sera plus là. J'ai eu Thompson et tout, il a mis 27 points. Ah, surtout que là, on a l'ancien coup à 3 points. Là, je pense qu'on a la plus grosse QV de l'univers, hein. C'est James Harden, hein. Le max score c'est 30. Il fait de la merde, hein. Il fait de la grosse merde. Ah ouais, quand même, 10 points. Oh, c'est laid. Oh, s'il te plaît, James. Respecte-toi, merde. Respecte-toi minimum. Irving. Irving, attention à Irving. Le premier dedans, le deuxième. Moi, c'est bien, c'est plutôt bien filmé, je trouve. Ils ont fait un effort là-dessus, la caméra est bien faite. C'est moi ou c'est le pire concours à 3 points de l'univers là? Alors, qui sont les mecs qui achoppent les balles? Je crois que Lennart, c'est toujours légende et je crois que c'en est toujours. Hein. Ou des développeurs du jeu, peut-être. Ah, il a une petite série! Ah, il a une série! Ouh là là! 7 de suite! 6 de suite! Hein. Oh là là! Oh putain! Oh non. Non! Ouh! Alors, faut se rappeler, c'est Greg Hodges qui avait battu le record, qui a mis 19 3 points de suite. Pour finir avec un score de 24. Et il finira avec un score de 17, il craque un peu sur la fin, Kairi. Ah ouais, Paul George. Non, je suis pas un hater de Kobe, hein. je suis pas fan de Kobe, mais haters, non, je ne serai jamais aucun joueur NBA à ce point quand même. Il n'y a aucun joueur NBA que je déteste, faut pas déconner. À ce point de vouloir qui veulent tout perdre, non. Paul George, ouais, il a un point de galère, là il a un point de galère. Il a un shoot game très. Il s'épuise beaucoup plus, mais il saute énormément haut, je trouve. Mais c'est pas du tout un shooter de concours, hein. Je suis m'étonne que pour vrai il fasse des bons trucs en concours. Hein. Meilleur dunker de tout temps pour Carter. Il y a grande chance, bah, surtout que c'est en match et en concours, ouais, c'est sûr que c'est.
Il arrive à combiner les deux et peu de joueurs arrivent à le faire. 15 points, c'était quoi les scores du coup? 17-15 et 10, ouais. On est le dernier en plus à jouer, j'ai l'impression, avec Carmelo. Ça change leur personne. 18 points. Je sens mal personne. Je le sens très mal personne. Tu as même pas beaucoup Lopez et Roy Hibbert. Non. Bah, non, pour les détester, ils disent rien de mal. Ils disent rien de mal. Il est pas dégueu, Chandler. Il est pas dégueu. Il va passer devant Kerry, hein. Il va assurer sa place en finale, je crois qu'il l'a déjà assuré de toute façon. 19, il y a tout le monde qui craque à la fin, c'est ouf. Mais il est premier, je retire ce que j'ai dit. Donc il... je crois que c'est les 3 premiers qui sont qualifiés, les 2 premiers. Dites-moi dans les commentaires. Parce que pour l'instant, c'est du coup, ce serait Kerry. C'est les 3 premiers, Kerry, Chandler et... Épaule. Carmelo est pas mal, il a... Il avait fait une petite série de 4, dommage. Il saute beaucoup aussi Carmelo. C'est énormément. 7 more points to stay in contention. 9 points. Can't get the money ball. C'est 3 premiers, d'accord. Merci. Donc il doit faire plus de 13 qu'il a fait, je crois, au genre. Donc du coup, en gros, il faut qu'il fasse de la merde. Là, je suis con, moi. Là, s'il fait un gros score, je suis baisé, moi. Non, mais pas le. Mets-le pas. Mets-le pas. Mets-le pas. Oh putain. Il faire plus de 16. Moi. Je me suis jamais entraîné. J'ai dû le faire deux fois, sincèrement, le coup pour entraîner en tout cas 16. Ça va être une catastrophe, je le sens. Vous avez des petits conseils? Enfin, c'est trop tard, mais bon. On sait jamais. Ok. Oh là là, je suis trop rapide en plus, c'est ingérable. Oh là là, je suis 10 fois trop rapide. Oh, la caméra, quoi? On voyait pas notre genre de sujet, quoi. On est pas... Il est perdu notre joueur, il est perdu. Oh, on est bon là. Oh, on est... Hey, on était plus dessus. Oh merde. Putain, on doit faire 16, bordel. Non. Non. And Clark, he's out. Mais c'est une blague, putain, on est en plein dessus, bro. On est minable. On est minable. Oh là là. Avant-dernier. Est-ce qu'il a gagné? Regardez la finale quand même. Mais si on n'est pas dedans. Vous pouvez be sûr de ça. Whether it's an exhibition or not, ah mais le shoot est 10 fois trop rapide, c'est ingérable. Soit je faisais trop fort, soit... On va bien voir. On va sûrement qu'il fait plus de 24, je pense qu'on n'aura pas de regret, mais... But they've got to stay cool and controlled while they're out there. It's not an easy thing to do. Now with 4. 5 points. Carmelo, c'est là qu'il est bon. Ouais, à droite comme ça, il est balèze. Ah, j'ai juste tapé 24. 8 points. Can't get the money ball. Je pense que c'est beaucoup plus aléatoire et tiré sur la réussite que sur le bon stage du joueur que sur vraiment la technique. Parce que franchement, dans les anciens, en tout cas, c'était beaucoup mieux fait que ça.
On sentait vraiment que la faute allait s'appliquer. Et c'était pas des, juste sur le time, sur le pourcentage du joueur. Tu t'es raté en beauté. Oh oui. Pourquoi tu rends pas ton transfert? Moi bon, je suis bien Orlando. Je suis chaud Orlando, c'est bien. Je peux faire Orlando tranquille. Je vais rallumer là. Bah, c'est bien Orlando, ouais, c'est sympa. Surtout que on a une très bonne équipe jeune. On a Aaron Gordon en plus, donc voilà, c'est parfait. Yeah, I think it is the hardest thing, Clark, because you're just not used to taking 25 shots in one minute. Nobody does that, even in practice. You know, you don't really do it that way. Ouais, pas terrible, Irving, il est nul à chier. Hein, là, il a fait comme une grosse série, hein, Irving. Oh, le bâtard. Ah, dommage. Il, en fait, il marche en série, lui. Je devrais l'avoir. Alors, un peu comme pour devant, en fait. Il a fait combien Carmelo? Il a fait 16 choix, 14 choix. Il a fait 14 choix, il a dit. Il veut dire qu'il l'a battu. Donc là il doit faire un gros score, il a fait un carton quand même. Comme tout à l'heure, si tu vas le mettre celui-ci, il le met cette fois. 19 sur 30, c'est pas mal. Chandler à lui de faire mieux. Gordon il est chaud dans un combat, oui. Il est chaud. Oui, voilà, c'est ça. Oui, le commandant, c'est complètement bugué. T'as beau être sur le point. C'est pas forcément d'entrée. En fait. C'est rendu bugué. Mais en fait, il devrait lisser le timing normal. Quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça au final. C'est de la merde. Compte 2 secondes. Comme ça qui sert, je pense. Bah, c'est un peu tard, mais merci. 9 points. Skip. Ah non, on passe pas. Ah, on va voir qui c'est qui gagne quand même. Il a fait quoi? Il a fait 19 Irving. Oh! Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud pour Chandler. 16 points. 7. Le pain de la victoire. Ah, il le met! Il arrache la victoire. Oh, GG. J'ai fait 10. And that puts an end to the Foot Locker three-point contest. It couldn't have gone any better for this year's outstanding champion, Chandler Parsons. He was one chill customer out there. He really kept his wits about him the entire way through the contest. And that's the key, Clark. He never got too high, never got too low, just found his groove and took off from there. And the drama, the excitement. Allez, ah voilà, préféra pour passer. Donc là, on va voir si on a concours de dunk ou pas. Si ça va bugger, sinon bah on arrivera directement au All-Star Game. Ah, ça fait bientôt 2 heures qu'on est en live. J'espère que vous êtes bien installés. Ça va péter. Ah, je revois Chandler là, son petit concours là. Oh là là, il les enchaîne à la fin, c'est ouf. Balèze, balèze, balèze. Non, j'ai pas fait le concours de dunk, c'est pour ça, on va voir si ça bug ou pas. Si ça bug, c'est pas grave. Si ça. Simuler jusqu'à cette date. Ah, ok, ouais, c'est ça, on peut en faire qu'un des deux. Ok, ok, ok. Bon, bah, du coup, on est prêt à y aller. Je vais juste faire un truc, je vais custom des godasses. Juste pour le fun. J'espère que ça va marcher. Je l'avais fait sur. Salut à toi. Mout mout. Moi je suis au calme avec ma pizza. Ah, tu me fais baver. Avec ta pizza. Dis-nous au moins à quoi elle est ta pizza. Pour nous faire baver encore plus. Du coup, boum, on va mettre option. Chaussure touquet. Alors, qu'est-ce qu'on va custom comme godasse? Les Jordan, il n'y en a pas des nouvelles sympas là? Jordan 20, non. C'est lesquels les derniers Melo? C'était sympa. Non, on va customiser les. Les Jordan, elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Ah voilà, les 29. On va custom les 29 pour la beauté du All-Star Game.
qu'est-ce qu'on va mettre comme style un peu? Je serais bien un style argenté, blanc stylé. C'est stylé ça. Tu vois, je l'ai mis en anglais maintenant, ils sont même plus fichés de traduire. Ok, donc là j'aime bien ce qu'ils font actuellement, ils font toujours un petit truc transparent, j'essaie de le faire. Un caoutchouc bleu bizarre là. On va faire comme ça. Je peux faire tous les concours et les deux matchs. Ah ouais? J'avais dit c'est trop laid, t'es sur quelle console? C'est trop rose, je sais pas pourquoi c'est rose cette merde. Ah voilà. T'es sur quelle console? Parce que peut-être que ça change. Moi je suis sur One. Peut-être que ça influe. Mais en tout cas, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas trop quoi faire comme design là, sincèrement. Je suis pas tellement inspiré, je pars un peu en n'importe quoi. Ah, si on mettait un peu du violet bizarre comme ça là. Ça peut être sympa, non? Non, pas du comme ça. Ah, attendez, on va faire un truc simple. Non, ça fait trop girly ça. C'est très laid. Un move assez sombre. Moi je suis. Ah voilà, t'es sur PS4 donc ça change sans doute la donne. Enfin, c'est pas très dommage, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Pire, si on a le temps tout à l'heure, pire, on le fera en. Je le ferai en My League avec le vrai concours. Je recréerai le vrai concours. On va mettre en blanc les lacets, allez. C'est quoi ça? C'est les œillets, on sent pas un peu les steaks. C'est quoi ça? Ça c'est le logo qui est au milieu. Ok. Waouh, il n'y a aucune. Elles sont dégueulasses. Hein. On va laisser béton. C'est dégueulasse. C'est moche. Hein. C'est pas très. J'étais pas inspiré. C'est pas grave. Bon, du coup, on est parti pour le All-Star Game. Les Jordan Superfly 4. Ouais, je crois que j'avais custom sur TG15. Donc, c'était lesquels j'avais custom? C'est des Superfly que j'avais custom, alors est-ce que c'est les 4? Je suis pas un fin connaisseur des chaussures, sincèrement. Tu vas regarder le match des étoiles. Le match des étoiles. Allez, bonne soirée. Salut, moi je t'ai même pas dit salut en plus, Bazmog. Le match des étoiles. Oui, l'All-Star Game, oui, je vais le regarder, oui. Je peux, donc. Je vais pas m'en priver. Bon, bah, du coup, on en est parti. Superstar Hall of Fame. Ah, ça, du coup, je vais le changer. Toc, toc, toc. Du coup, je vais baisser le son du jeu, comme vous m'aviez dit. Ok, bon, on est bon. Let's go pour le All-Star Game. J'espère que vous êtes bien accrochés. Ça, chier. Alors, 434 lancé fantanté, c'est pour nous ça? Ah ouais, mon VIP. Oh, ce tissu bizarre. 814 tirs à l'extérieur. Oula, Dennis Rodman, tiens, notre joueur. Oh, bon, arraché l'heure qu'on me dit ça. 91 joués. Oh, pardon. 91 matchs joués. Ah, bah, je trouve ça pas mal. Bon, All-Star Game, merci. Ah, j'espère que vous allez kiffer. On va essayer de faire un maximum de trucs. Toi aussi, t'es fan d'Anderson, moi pareil. Ah bah coucou. Entre fans d'Iverson. Alors, ah, on blablate avec monsieur Tony. Oula, avec tout le monde. Oh, I'm doing good.
Just hard to believe I get to be a part of all this. Mange verte. The end of a long weekend. Just do your best and relax and enjoy it. Maybe get the fans a little show too. But you all know things get serious in the fourth quarter. Oh yeah, I'll be ready. Butterfly's long gone by then. What makes you think you'll even be playing in the fourth quarter, freak? Just because I wasn't on the cover of 2K like the rest of y'all doesn't mean I can't get it done when it counts. Man, you can't even get it done on a virtual court. I beat you without even trying last night. You got lucky. Okay, I want a rematch. Yo, I want in on this. I could take you or James. Well, I got plenty of time to beat all of you. Steph, you want in on this too? I'm in. Hope you know how to defend the long ball better than you do out here. I'll take one after you guys are done. Might as well make me the championship game. Ha! Okay, consider it done. It's gonna be easiest night of my life. But now it's time to start the real show with the league's newest star at center stage. Good luck tonight, fellas. Welcome to our coverage of the NBA All-Star Game. Salut tout le monde, du coup, si au pire, vous n'êtes pas sur le live. This is Kevin Harlan. On est ici All-Star Game. What? Pourquoi on n'a pas su Toronto? C'est de la merde. Non, c'est pas très grave. All-Star Game donc. Notre All-Star Game. Je sais même pas qui y a dedans. Alors, il y a les Griffin. Non, on a Pau Gasol, j'ai l'impression que très basique, avec Irving en arrière, LeBron, on y est fort, Carmelo en est bien, la bonne bricasse bien lancée, et à la N2, ça commence bien pour Blake, avec les Griffin en pivot, non putain on est des fous, ouais, non il est en pivot, avec Anthony Davis, then there's Griffin, and it's Durant in at the small Russell Westbrook, Stephen Curry, et Kevin Durant. Du beau monde, du très très beau monde. On va maintenant piquer avec la Leo Palais, ça commence. And fans and celebrities alike have la coudière verte, ça rend bien. Ouais, mais je pense pourquoi les vertes, je sais pas. Alors peut-être en ils ont pris les anciens touquets ou le couleur secondaire ou c'était vert en année. Là. Une année. What? Oh là, ils font plus ça. Ça commence bien, c'est bien. Ok, pas de défense. C'est normal. Oh, c'est le monde qui mène. Oh là, qui reste trop. Pouvoir pas jouer, ah mince, c'était passé. En plus, je vais leur faire des écrans. Bon, moi, on est dans le 5 majeur, donc je pense qu'on va jouer. Oh, le dunk! Oh! Sur ta tête, Anthony Davis! Oh, la violence! Oh, putain. Elle photographie les films. These All-Stars shooting their first free throw of the night. Oh, ce dunk! Entrée de jeu. Ah bah oui, merde, faut que je renlève les commentaires, pardon. Voilà. Là, vous serez mieux. Non, Curry. Ah, le coquin. Bon, alors, on peut mener la balle, s'il vous plaît. Oh, putain. Ils sont pas gentils. Oh, oh bah, joli backdoor. Comment il rate ça? J'avoue, ça commence fort. Ok, merci la def. Oh, il rate ça en plus. Oui. Allez, on va faire le champ en passe, freestyle. Oh, allez, ça coupe parfait. Pau Gasol, il y a Sarbache et je sens. Oh, nice move. Il a esquivé. Oh, oh, oh le bug. La passe était juste parfaite. On lui a brisé les chevilles. Oh là là. Oh là là. Oh, oh. Le seul même là-dessus. Le petit bijou. Pour Pierre Irving, cadeau. Trois passes déjà pour nous, on est bien. Oh là là, Russell. Non. Oh bah allez, il était attendu. Ah mais Curry, on l'a pas sécure Curry. En même temps, comment je pouvais savoir que ça allait retomber dans les pattes à celui-là.
Un on fire, bon, on va le jouer en 1v5. Allez, que la fête commence. Non, j'ai arrêté le basket en IRL. J'en ai fait longtemps. Mais depuis, non, je n'en fais plus. Ok, donne la balle. Oh là là, si ça rentre encore ça. Pas de balle. Oh, on est vraiment un shooter de match et pas un shooter de concours. Oh là, par contre, Durant. Oh le forceur. Level. Nous aussi en force, mais ça rentre nous. Oh là là. Oh, le double mode fire. Je pense que le double mode fire. Allez-y. Ça take triple of force. Davis, il se fait chipper la balle par Bibi. Oh, il y en a lui pas joué là. Le Brod. Ouh. Je crois qu'il allait se faire mais non. In your face. Ça commence déjà sur les belles bases. Hein. 17-14 au bout de 4 minutes de jeu. Ça sent le All-Star à plein nez. Ils ont encore perdu la balle. Cette fois, on est parti. La belle partie. Enfin, un allume, s'il te plaît. Oh, dommage qu'ils n'ont pas le chance du show. Bon, on a la passe D, mais c'est dommage. Ça aurait été sympa qu'ils fassent le show. Oh, que. Oh non. On a contre les Griffin. Carmelo. On est tout seul là-bas. Ah, dommage, c'est bien joué. Ça. Oui. Oh, le get back. Oh, le get back sur Big Griffin. Ah, bien joué. Il provoque Blake. Il provoque. Ça. Oh le flotteur. Oh ça avec Irving, il est à combien de points là? Oh mais tous les bons tirs et tous les mauvais, mais ça rentre dedans. Attention à la sortie d'écran. C'est pour Curry. On lui chip la balle. Oh lui avait. Ah Durant tu l'as. Ah d'accord. Oh il est toujours on fire. Bon bah allez. Hein. Que la fête continue. Oh! Pas de balle. Pas de balle là-dessus. On s'est fait bloquer. Oh oui, on intercepte ça. C'est pour Bibi. LeBron. Non! Il est con. Ouais, bah si ça passe. C'était pour LeBron, mais. C'est pas très grave. Là t'as quoi comme chaussure à ton joueur? Bah là j'ai les mêmes celles que je voulais custom en fait. Mais là de toute façon je viens de me rendre compte qu'en fait même si j'aurais custom, ils les auraient pas pris en compte. Limite de base. Oh putain mais c'était moi, faut que l'intercepter tout le monde. Bon. What? Millisap. Lui c'est faire caler à Jacasse. Gros bourrin. D'accord, sorti. Bon, le changement va être effectué, je sens après non. Bah c'est les mêmes que je voulais, c'est les Jordan 29. Ça sent plutôt stylé. Paul Mini, ça a pas 3 points. Ah, pas de balle. Attention à Westbrook, il peut driver lui sans souci. Mais c'est forcé. Oh, vite, vite. Allez, distribue là. La Lioupe. Oh, l'enfoiré Blake Griffin. Il laisse même pas le spectacle. Ouais, il fait un flotteur, mais t'es mort. Ah tiens, c'est notre coach qui est coach à l'Est, Ned McMillan. Je viens de voir sur le banc, donc il y a du DeRozan. Ah parfait, DeRozan qui arrive, voilà, ça va dunker, parfait. Et on va être un vrai meneur cette fois. Non, mais... Oh mince. C'est quoi, c'est Fat for World?
pas compris. Ah mince. Non mais ils vont faire plus à deux, c'est pas drôle. Rosen. Non, il signait pas lui. Un joueur actuel en NBA, j'aime bien. J'aime beaucoup actuellement Marcus Smart, que je suis depuis, l'université où il était à Oklahoma. Oh non! Mais non! Je lui ai fait, un pick and pop, mince. Du coup, on refait LeBron. Voilà. Mais non, mais là, tu l'as! Quand même! Et tu fous ma gueule, LeBron. Gueule, bat sur wall. Je comprends pas le délire. Encore ça, t'es bat sur Night Swatch. Ok, j'aurais compris, mais. Voilà, mais il s'est pas dunké, ce con. Coucou, salut la bio. Pourquoi tout le monde a 2004 derrière son pseudo? Vous êtes tous de 2004 ou sinon ça me fait vraiment, ça me prend vraiment un coup de vieux sinon. Oh non. Oui donc j'aime bien Marcus Mark. Il y en a pas d'autres que j'aime. Bien. Oui Pauly. Ah putain. Non. Davis. Mais arrêtez de gueuler, va sur wall, je comprends pas le délire. Je sais pas si vous l'entendez aussi. Par contre, on trouve aucune solution. En fait, Kyrie Irving est proposé. Et en fait, on est très lent là. On a que Paul Millsap et Paul Gasol, j'aime pas du tout. Bon, voilà. Il a raté. Mais non. Attendez, j'ai cligné des yeux, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Il a raté. Oh la brêle. Oh là là. Oh là là, mais cachez-vous les gars, s'il vous plaît là. Sortez-le. Oh, puis il y a Paul George qui va arriver, mais on va sortir, ça se trouve. Dommage. Ah, mais LeBron il s'est pas coupé, c'est une grosse quiche. Oui. Oh, on l'avait là. Il s'est fait poster il y a pas longtemps. Un peu smart, où ça se fait. Salut, c'est Céleste FR. Pas ce ball, il dit. T'es sûr? Mais non, parce que c'est quand il marque. Et c'est quand je suis en défense, donc je comprends pas pourquoi il dirait ça. Du coup, à ce moment-là, là. Enfin, quand je revois moi, mais. Tu vas voir. Non, pour moi, j'entends four ball. Et vu que John Wall est pas là, c'est peut-être un rapport. En fait. Ah, le bon est sorti. On va peut-être retrouver un autre dunker. Paul, il est sérieux. Et Zach Randolph, il est là, sérieux. T'as un Gordon Hayward qui est là. Ah, tiens, d'ailleurs, lui, il sera sans doute dans les futurs All-Star Games. Si le Jazz progresse un peu plus, il gravit l'échelon supérieur. Dwight Howard est là aussi. Ouais, ça, on l'avait anticipé, mais. Colin George s'est mis à plonger. Non, on l'avait sauté, quoi. Il y a trop de fautes, c'est n'importe quoi. No way. Ah, c'est Lillard qui est là. Oscar Russell. Lillard, ouais, lui aussi, il sera sans problème dans le futur. Ah, dommage, on l'a coupé. Dommage, on n'arrive pas à jouer au contre-attaque. Il défend dur. Hein. Pour moi, c'est les West qui gagnent, encore une fois, je le dis. Pour moi, c'est les West qui gagnent. Même si on sait que ça peut. Il y a plein de trucs qui peuvent influencer. Ah le salaud. Je crois que là on en est à 26ème paire de balles. Ah merde, je suis pas allé en contre-attaque. Paul George coupe. Ils savent pas putain se placer en contre-attaque dans ce jeu, c'est abusé. Oh bien joué ça, Vucevic. Ah dommage. Dommage. On est parti sur des grosses bases et en fait Irving il mettait du rythme, c'est dommage. Et on l'a perdu. Tiens Isaiah Thomas qui est là. Le petit Isaiah. Et Paul Gasol, oh là là. Ça va être lent ça. Mars. Paul Gasol qui a été le remplaçant dernier de Chris Bosh.
que ça fait. LeBron. Alors là, LeBron, si tu l'as pas, mon gars, mais je t'éclate. Voilà! Ça, c'est beau. Ah, c'est pas trop tôt. Juste en hauteur. Vite Isaiah, donne. Ah putain, il est con. Attends, c'est Sullinger qui est All-Star Game. Ah oui, il est beau. C'est Sullinger qui est All-Star Game, sérieux? C'est un des représentants de Celtics. Et il s'est sauté. Malgré. C'est 200 kilos. Non, bah lui, c'est Dunk qui est par contre, mais là, si je le laisse passer, c'est sûr qu'il va prendre, l'ascendant. On sait bien, moi, que Pau Gasol joue à l'extérieur, donc ça me laisse de la place pour jouer. Même si j'y arrive pas. Toi, là, il dit move the ball, ok. Non. Mince. Oh, on l'est contré. Allez, boum. Allez, LeBron. Faut moi que t'es bon à l'intérieur. Oh, Sullinger. Oh, Sullinger. Mais que c'est beau. Oh, elle est belle, celle-là. Bien joué, Sully. C'est quoi le record de passe en... Oh là là, oui, elle est belle. Et bim! On s'envole. Je sais pas quel est le record de passif en All-Star Game. Mais si c'est jouable, pourquoi pas. Là on est bien, Il va prendre l'ascendant. Oh, quelle défense de LeBron. Lâche ta balle! Voilà, lâche te l'armée! C'est pas possible ça, il faut. Oh là, what? Le mec il traverse quoi. Ouais, il a réussi, il va nous punir derrière. Dès qu'on joue avec Durant, tout de suite ça change la donne. Hein. Vous avez remarqué. La loupe, LeBron! James! Les 10 000 nouveaux fans. Elfe ici, hein, là, je sais pas dans quelle salle on est en plus là. Vous entendez? That's for war là. Je sais pas pourquoi il dit ça, je prends un cul d'elle. Ça fait marrer en tout cas. Un petit pic, non, pourquoi c'était pas celui que je voulais forcément? Quoique, oui! J'ai fly. Tranquillement, là le panier. We're taking a look at some real deficiencies. They can't guard us on the perimeter. Let's spread the floor and isolate up top. Spacing, fellas. Spacing. Il demande de l'espace, ce mec là. Bon, on est bien là, allez. On est revenu dans le game. Il y a un autre fire en défense, ça c'est pas mal. Si on peut mettre un get back, non. Ah, Irving est revenu. On va voir avec LeBron qui fait un écran. Voilà, joue-le. Mais non. Putain, je vais pas faire ça. Je fais un boulet là-dessus. Mais. Ah, le layup qui était. Oh, il est compliqué, il est très compliqué celui-là. Je sais pas où je l'ai pris. Ah, Durant, tu l'as. Bah oui, allez, laissez le tirer. Hein. Comme s'il allait pas tirer. Oh, la belle passe. Oh, bien joué, c'est avec Pau Gasol. Oh, c'est laid. Oh, non, mais Pau Gasol All-Star Game, sérieux. Ah, bah par contre, lui, Pau Gasol, je l'aime pas non plus. Mais lui, sincèrement, je serais, oui. Non, aussi, je l'aime pas du tout. Oh, Jared Sullinger, c'est bon, il nous pète des tomards de ouf, là. Reviens là. Oh, c'est bugué, cette animation, ça m'énerve. Je vais vous être dans le coin comme ça. Voilà, every time, this is a joke. Allez, bim.
Même mon jeu, il en a marre de tout gay, quoi. Il sait que c'est y a que du script, quoi. Chaque fois que vous êtes dans ce coin-là, vous avez fait cette animation là et vous perdez la balle direct. C'est... Oh, vite. LeBron. Quoi? Mais LeBron, il s'est trop pas placé, quoi. Changement. Ah, Marc Gasol qui rentre. On est du même côté. Il est con, LeBron. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sais pas pourquoi j'aurais fait ça. Oh, mais réagissez, bordel! On est passé. Oh, le poster sur la tête de Russell Westbrook. 21 000 fans gagnés. Oh, c'est précis. Oh, elle est magnifique celui-là quand même. Dans hauteur. Irving, il défend pas du tout sur Russell Westbrook, à mon avis. Ils l'ont coté au tout début comme quoi Russell Westbrook n'était pas une menace à 3 points. Et du coup, leur ordi défend pas du tout à 3 points sur Russell. Mais par contre, en tendance, ils ont dû le changer. Du coup, il a tendance à tirer à 3 points. Bah, du coup. Voilà, Paul Millsap. Ah, il y a Boogie Cousins qui est rentré en jeu. Oh, D'Angelo Russell, il est là, sérieux? Mais non. Je comprends pas le délire du pas de forward, hein, sincèrement. Bon, ils font un peu l'écart là quand même, hein, mine de rien. Si on peut passer encore en backdoor là, je pense, mais non, ça va être chaud. Mince. Non, pas Paul. Oh, la claquette! Oh, la claquette! Oh, venu du turf, celle-ci. C'est vachement dur à faire, en plus parmi les géants. Là. Moi, je suis jusqu'à ce soit claqué, dunké. Emballé, posé. Ouais, bien joué ça. Allez, Ron. On l'a passé, on a un bonus en vrai. Voilà! On relance le game. On lâche pas. On lâche pas, papa. Sur leur ligne. Ça va finir. Non. Ouf, c'est bien joué ça. Bundé. Balance. Allez, une deux, LeBron. Oh, boum! Non! Oh, c'est une blague! Oh oui, Irving! Merci! Oh là là, miracle! Tous ces alliés, vous pouvez le prendre! Oh, viens, égalité avec cette connerie! Est-ce que c'est la même tactique que tout à l'heure, celle-ci? Oh oui! Non! Oui, si, c'est bon! Le 3-6! Ouais, monsieur! Oh, Isaiah, il danse comme ça! Oh là là! On aurait dit tirer dans la mystère! C'est trop drôle! Non! Ah, on l'avait! Marc Gasol! Durant face à LeBron! Il va devoir prendre un shoot compliqué, mais il aime ça! Oh non, c'est bon! Allez, il faut reprendre la vitesse là-dessus. Irving, on t'a vu. Oh, c'est bien joué ça! Que c'est beau! On leur met un premier à 0, il n'y avait pas 58-51. Je crois qu'on leur met un petit 11-0 là, tranquille. Ah, Durant, tu l'as, il a un menteur là quand même.
Oh, on est doublement de fire, tiens. On fait que de l'aide d'ailleurs. On va pas le prendre tout de suite. Oh, le boulet là-dessus. Le boulet, le bon. DeRozan est rentré pour George Carmelo. Ah, bah là, il y a matière en dunk là. Là, franchement, il y a matière en dunk. Il y a matière. Alors, ça là, faut m'expliquer. Ces trucs comme ça là, faut m'expliquer dans le jeu. Regardez ça quoi. Carmelo, il a 4 fautes, le bon, il va ressortir direct. Mais est-ce qu'il rentre du coup? C'est quoi là? Non, non, c'est Chris. Ah, fait chier pour toi qu'on avait 4 petits. C'est qui se démarque? Non! Ah là là, ils sont ici. Non. Voilà, bon, c'est compliqué ça. Quoi? Ah, cri-cri. C'est quoi ça? Il a lancé un parpaing, le mec! Il a jeté un caillou. T'es dans quelle équipe? Bah, ça se voit, je suis à l'est. Ouf. Les rouges sont tout en l'ouest. Sauf en 2003. Oh oui! Et d'ailleurs, en vrai, si vous avez checké ma chaîne YouTube maintenant, je me suis sorti une petite surprise. J'y pense à l'instant d'ailleurs. Je vais aller voir si ça a bien marché. C'est toi la planification. Ouais, ça a marché un peck. Maintenant, je le mets là. Mais... Pas lancé. Allez, troisième, allez hop, 3 sur 3, c'est plié. Ouais, j'en pièce, donc quelle équipe plus, bah, je suis là, ouais, en haut. Au est, les blancs. Attention, dans le coin. Putain, mais Sacramento All-Star Game, sérieux quoi. On est en 2017 dans ma carrière. C'est n'importe quoi ce jeu. Ah ouais, ils vont faire plus à deux, non? Franchement, je vais lui casser les chevilles, non? Oh, belle passe, Vucevic! Mon poteau Orlando! Ah, PSG! Oh, putain, oh, je suis un boulet, moi. Désolé. J'ai compris, je parle du. J'ai pas eu ton pas. Je suis Orlando, pardon. Ça me passait, c'est vrai que ça me passait quand même débile comme. Comme message. Désolé, c'est moi le débile là-dessus. On est passé! On est passé! On s'envole! Le dunk à la Damien Lillard! Si on continue une petite prise à deux, dommage. Il perd la balle, non? Oh là là, il force le game. Oh, vite, DeRozan. Faut qu'il y ait un mec là, Paul George, faut que tu coupes là. Paul George. Dommage. Remets. Je vais demander un écran avec Paul George. Je crois que c'est lui envoyer à l'Alio. Oh, c'est une passe! Oh! Le jeu Iran, mais t'as vu ta passe, sérieux? C'est compliqué, tu meurs quoi, c'est ouf. Ça sent la sortie d'écran là, c'est pour qui? C'est pour Russell. Damien! Ah, fait chier, je l'ai pas eu. Oh non, ça peut rentrer ça. Les coachs. Oh, l'ambiance, vous l'entendez? Trois points. Boum! Oh! Choum! Comme ça là! Oh, mais qu'est-ce qu'on est clutch! C'est ouf! Oh là là, je m'épate moi-même! Oh là là! Oh, c'est ouf!
Allez, mi-temps, ok, on est fixé sur le Jumbotron là. Ah, les petites 72 centimes, bah c'est un score de All-Star Game, c'est parfait ça. C'est parfait, parfait, je revois mon shoot là. Ah, il fait quand même mal, oh là là, c'est moi. Oh, ça rentre en plus. Oh là là. Ouais, on est retour donc deuxième mi-temps. 30 points déjà pour nous, 14 passes D. Tranquillement, ça avance. On va demander un écran. Non, merde, je vais. Attends, refais, pardon. Je vais demander un écran à LeBron. Pour qu'il coupe et qu'on fasse ceci. Yo! Ça, c'est puissant, hein. On va essayer de faire venir sur LeBron à Orlando. Bah, je pense que c'est l'Ouest, hein, je le redis encore une fois, je crois que c'est la cinquième fois, mais bon. Salut Nico, mais si t'arrives en même temps, en moment c'est normal, mais t'es pas le premier à poser cette question, mais c'est normal. Ouf, mais dites-moi votre avis, vous aussi, je le dirai. Moi je pense que c'est l'Ouest. Ok, on est sous Ras à 3 points. On a pris notre quota là. Oh, tu pouvais tellement la chipper celle-ci, LeBron. C'est bien contesté, mais pas de rose, personne hors bon, la faute. Ouh, LeBron. L'Alioupe Irving. Ah, ah non. Oh, c'était ambiance. Allez, bloc trotteur ici. Ah, j'ai fait. J'ai abusé. Il l'a fait à terre, LeBron. J'ai pas compris. Il l'a envoyé en l'air, mon gars. Mais c'était l'Alioupe pour nous. Mais le problème, c'est que l'Andy n'a jamais d'Alioupe. Donc, très rarement, faut vraiment les forcer, quoi. Et là, malheureusement, il m'a fait une passe à terre, LeBron. C'est pas trop, très grave. Est-ce que dans l'axe, c'est jouable? Dans l'axe, c'est très joie même! Non, donc que pas. Ouais, je dis l'Est. Ouais, il y en a beaucoup d'amis qui disent l'Est, hein, mais. Je comprends. On va la perdre cette balle, on va la perdre. Mais putain, mais. Oh là là, l'animation de merde. 9ème pas de mal pour nous, c'est génial. C'est l'All-Star Game. C'est magique. Vite LeBron. Et il veut pas la lâcher la balle LeBron, c'est ouf. Vous avez beau lui demander, il en a rien à péter. Et ça rien. Voilà, la loupe encore, il est joué à chance. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça LeBron. Il s'est créé des occasions pour tout le monde, c'est balèze. Et on fait un peu l'écart maintenant là, 6 points d'écart. Voilà, je pensais vraiment nous bluffer avec ça lui. Hein. LeBron. Non ! Eh, ce jeu il va me. Oh, il va si j'ai pas la passe en plus, ça va casser les couilles. Oh, sérieux quoi, non mais là c'est n'importe quoi ce jeu quoi. On voit largement que c'est pour LeBron la passe quoi, ça se voit quoi. Non mais il connaît rien au basket quoi. Une force ce jeu mon gars. Allez LeBron, plante à 3 points. Voilà, allez on tue le West là. Salut Dadou. Dadou, je peux pas penser. Enfin salut à toi. Bienvenue. Nous sommes au All-Star Game de notre joueur. J'ai toujours les appels de balles, c'est tellement drôle. Oula, notre joueur est pensif. Ah, j'arrête ce gars, j'aimerais bien qu'il revienne à la place de Pogazol, qu'il a fait tellement du beaucoup. Il a fait tellement du meilleur boulot, pardon. J'avais une phrase tellement pas français. Il a fait du bon gros boulot. C'est dommage, il devrait être récompensé. Non. Oh, Curry, oh non. Quelle console. Ouh là là, lequel comme ça. Je joue sur One. Et on peut faire le triple double hein. Oh, on est passé en backdoor. Pourquoi notre joueur? Non mais ça c'est pas possible, on l'a mis dans la course en vrai notre joueur. Pas de sur wall, oui, ils le redisent encore. Oh LeBron.
Il a pas compris. Oh, Anthony Davis, le campeur. Le campeur, Anthony Davis. Ok, ok, ça c'est bon, on passe derrière. Ok, le bras. Ah, alors c'est Irving qui se démarre vers le panier, oui, ça m'intéresse pas ça. Par contre, Paul Millsap, si tu as. Cette fois, il a sur la lie, tu m'étonnes, alors il a raté un vieux dunk pété, mon gars. C'est normal. Non. Ouais, bien joué de la part d'Anthony. Oh, battu encore. Et oh, pff, le end-one. Je sais pas que Wall, il devait être sélectionné. Il a été blessé, du coup, il dit spot sur Wall. Donne ta balle. Alors, ah, mon gars, j'ai reçu Mugger. Lui, je l'aime bien aussi, j'ai reçu Mugger. Ah, je vous le dis. En ce moment, j'aime beaucoup les. Oh, les Celtics. Oh, le bâtard. Oh, les réflexes qu'il a. Lucelle, Donatello, Westbrook. Allez, on essaie de jouer vite. Là, il y a LeBron derrière. LeBron au fond, dans le coin. Gasol. Swinger. Non! Ah, oh, les paires de balles comme ça, c'est casse-couille. C'est coordonné, mais pas du tout agressif. C'est pas lui qui tente la terre, c'est nous qui plombons. Il plante Kevin Durant. Oh la loupe! Mais pourquoi il veut pas dunker notre joueur en alloupe? Si tu vois pas. On est passé. Oh, il nous a bloqué, on l'avait bouffé. Barrez-vous. Barrez-vous, justement. Oh, je peux pas passer entre les deux. Eh mon gars, t'avais un mec juste à côté quoi. Gros perso. Voilà. 91 de moyenne. What's for Wall encore une fois. On voit pas le délire. Mais ça me fait marrer. On va en faire prise à deux ou pas? LeBron. Allez, allez, fonce dans le panier, pète un gros Thomas. Oh la tapette LeBron. Swinger, il est très bon, il est propre. Curry, qu'est-ce qu'il fait Curry? Regarde la balle. Oh oui, c'est bien fait ça. Mais non, mais pas Irving. Hey, Irving, il me casse les couilles quoi, il veut tout le temps les ballons. Moi je sais ça. J'avance. Mais non, mais pas Irving! Il me casse les couilles! Là. Non, je suis sur one. Mais il est con, Irving, c'est un point, mon gars. Ah, le mec, il croit que c'est LeBron, quoi. Il se place comme LeBron. Il fait n'importe quoi. Il veut les ballons, ok, il me casse les couilles. What? Il y avait Pau Gasol juste à côté. Oh, puis ils font prise à deux sur Paul et sur LeBron. Ah, faut qu'il fasse. Faut qu'il charte Irving là, il m'énerve. Il sert à rien dans le stream, c'est pas nuké. Moi pour moi, sincèrement, le stream devrait mettre juste les meilleurs dunkers. Et ça devrait être un concours du match, un concours de dunk pendant tout le match. Schillinger, on va faire décaler comme ça. Hop. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Beau petit shoot de Schillinger. Tout en finesse. Bon, au moins bien fait un plus à deux là. Mais non, et pas toi. Oh All-Star Game. Il a raté. Allez, LeBron. Vous voyez, là, il y a Irving, mais ça m'intéresse pas. Oh, LeBron.
Oh, LeBron, et il plante, hein. LeBron, il plante. Il a son petit potager. Salut à toi, Mathieu. J'arrive pas à voir si ça pique les yeux ton logo, ton pseudo. On peut voir quand même 14 pertes de balles, c'est quand même, je pense, un record. Hein. Mais bon, faut bien tenter les alley-oop, hein. C'est le All-Star. Ok. Ah, fait chier. Ah, mais ils sont chiants, ils gardent trop la balle en fait. Ils prennent la bombe, puis ils la gardent, ils font rien de spécial. Qu'est-ce qu'il est venu faire chez notre joueur, Blake Griffin, sérieux. On était tranquille, pépère. Bon, je crois qu'on l'avait raté. On se prend l'écart, hein, quand même. Oh putain, je l'avais. Je suis temps mort, oh, mais on fait pas de temps mort au All-Star Game. Est-ce qu'on reste sur le terrain ou pas? J'aimerais bien offrir quand même des dunks à Paul George là. Je sais pas si c'est... Ah, il est sur le terrain ou à DeRozan. Là, c'est DeRozan, c'est trop mal, ok, mais il se passe mal et ils me font mal. Et moi, ils me foutent arrière en fait, c'est ce qui m'énerve. Ah non, ils me foutent. Non, mais celui-là, c'est une fois arrière. Bon, en même temps, je préfère rester sur le terrain et jouer arrière que pas jouer longtemps, mais jouer tout le temps meneur. C'est tout pour le All-Star Game. C'est Cornel Watt qui a marqué. Alors que là, c'est qui coupe? C'est Isaiah Thomas qui coupe. Non, mais sérieux, ça me sert à rien, moi. Ah merde, il était en LT. Isaiah Thomas. Non. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire All-Star Game. Il peut. Ça peut être drôle ce qu'il peut faire. Je sais pas s'il pourra un jour péter un de ses dunks en petit All-Star Game, c'est sympa. Salut, t'es sur quelle console? Bon, je crois que je vais le mettre sur le chat carrément sur quelle console je suis parce que. Comme ça sera fait. Boum. T'as qu'à dire, j'ai le shoot 72 qui est d'après certains un shoot cheaté. Et en effet, j'ai testé aussi en gaucher, il est beaucoup plus redoutable. LeBron, viens là, toi. On est passé. Oh oui. Bah, j'en ai pas pété le gros dunk. Non, c'est Lillard qui est là. Lillard il tire, il plante ou pas? Non. Allez, donne-moi le babal, toi. Allez. Oh, Carmelo. Mais non, mais. Et il me casse les couilles, Garvin. Il me casse les couilles. Je comprends pas. C'est Irving qui va demander que tu vas prendre tous les ballons. Mal codé ce jeu à la fin. Non, pas toi. Non, moi je veux. 3 points de Tony, allez. Mon gamer tag, c'est le nom de ma chaîne YouTube sans S à la fin et le nom celui qui a sport en gros sans S. Hop, ça c'est fait. Tu passes, on peut couper en backdoor. Non, attends, refais. Non! Il est con. C'est son get back ça, non? Ouais, un rebond. Troisième, tu vois. LeBron, je t'ai vu. Il veut pas couper. Ah, et décidément, il y a de la comp plus haut hein, chez les Waze. On a tiré je ne sais combien de lancers dans le match. Je joue avec un niveau là, je suis un superstar. Et je joue en général en superstar. Allez, Brand, viens là. Oh, il a enlevé Paul George déjà. Mais sérieux, quoi. C'est le seul joueur intéressant. Oh, le dunk. Pour LeBron, je sais pas, c'est le coup magique d'aller pour LeBron. Et Irving est toujours là en plus. Il ne me sert à rien, Irving. Oh, il perd la balle. Ah, dommage. Oh, il perd la balle, lui. Oh, c'est une brique, ça. Ah, dommage. Bon, est-ce que je peux essayer de passer en backdoor cette fois, s'il vous plaît? Viens vers moi, toi.
Ah, j'essaie de passer en backdoor, j'arrive pas du tout, il me colle au cul, lui. Merde, je crois que c'était pour moi. Ah là là. Je me suis abonné à la chaîne YouTube. Cimer. Merci beaucoup. N'hésite pas, en plus je viens de sortir une nouvelle vidéo, un petit montage sympa. Oui, il est là. L'alloupe, oui. L'alloupe pour Carmelo Anthony. Voilà, il n'en avait pas eu, voilà. Allez, belle. Un coup, je fais ça, mais je vais intercepter, je vais pas faire passage en force. Allez, faire un petit plaisir, s'il vous plaît, les petits gars là. Hop. Mais pourquoi il fait faute? Pour moi, changer les réglages pour le All-Star Game, c'est sympa. Franchement, tous les défauts, ils se foutent vraiment pas. Lebron. Bon, cette fois, on fait X comme ça. C'est de la merde, mais bon. Oh, puis en plus, il rate. C'est une blague. Oh, je suis en plein dessus là. Oh, ouf, il n'y a pas eu de faute. Je crois que c'est qu'il va mener la contre-attaque pour essayer de m'envoyer la loupe. La poster. On l'a posté une fois, Anthony Davis sur la deuxième, c'est plus compliqué. Ah, salut à toi, Paul Antoine. Un de passe D, ouais. Bah, en même temps, on touche un peu tous les ballons, donc je force le gars en passe D, donc oui. Oh là là, mais arrêtez de faire des fautes. Bon, on va essayer de les laisser revenir. Par un match serré quand même. Même si je m'inquiète pas trop de ça. À mon avis, ils vont revenir. Hein. Je tiens très bien, là je suis double on fire. Mince. Oh oui, LeBron! And one! C'est quoi après? Après, je suis en train d'y réfléchir. Et alors je sais pas ce que vous pensez. Si je fais un All-Star Game des... Oh putain non. Des meilleurs All-Star en gros ceux qui ont le plus joué All-Star Game de tout temps en NBA, bah je les mets dans une équipe. Et on va faire un match Est contre Ouest pareil. Donc si ça vous dit. Oh, Blake Griffin, la loupe 360. Nice. Le pack de dunk, si tu veux. Moi mon max c'est 16, lol. Bah pourtant si t'es meneur, franchement c'est facile dans ce tout cas. Hein. Surtout le nombre de prises à deux, ça t'offre des passes D mais direct quoi. 91 de moyenne. Mais là 24 je pense que ouais c'est mon max. En même temps là, je suis en 4x12 hein. D'habitude je suis en 4x9. Donc ça. D'accord, lui force le game. Mars. Arrêtez de dire votre football, ça me casse les couilles, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça. Oh Carmelo, on t'a vu. Lui t'a vu aussi. Oh là là, Curry. Oh Curry. Curry, Durant, t'as 3 points. Non. Allez, LeBron. Allez, on va faire un petit passe à Serbache dans tous les cas. Oh, allez, rate. Tu pues la merde, Curry. Tu pues la merde. Le VG, c'est qu'il va le foutre dans le 5. En finale, enfin. En fin de partie, donc ça peut être intéressant à jouer. Avec Irving. Oh, on est passé. Oh, je kiffe cette passe. Oh, boy, Gasol. Oula, c'est pourquoi, c'est pour qui ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi? C'est tous une côte. Ah, échec in a fool. C'est super de balle à Wendy. Bah oui. En même temps, quand vous avez remis, tu veux choper une balle de loop alors que c'est pour le Ron où il va. Oh oh oh! Oh, alerte top 10!
j'aime bien cette accélération là, des deux pas très rapides. Alors, ils veulent pas dunker. Je pense par contre il va nous manquer cette année au All-Star Game Blake Griffin. Parce que bon, pour le spectacle il est bon. Bon tu vois, ça c'est facile à faire en passe D. Sincèrement, tu t'habites des passes D quoi. T'as battu le record de points dans All-Star Game. Ah bon, bah j'ai même pas fait attention. Ouais, c'était pas assez Durant qui doit l'avoir, ouais, c'est ça. C'était pas, oui, ça doit être, oui, c'était ça dans les 40. Tu vas regarder le match, oui, tu vas le regarder. Le problème, c'est qu'en fait, la prise à deux, c'est toujours sur un pivot. C'est deux pivots. Non, c'était là, mais non, je voulais tenter quand même. Et Carmelo. On est en train de les tuer, les West. Hein. Ah, je pense que là j'ai battu tous les records. Ça c'est moche. À part pas l'air bon. non, ça met un Giant Park surtout tout seul. Voilà, Léo, là il est putain. LeBron, t'abuses. Ça fait une heure que je suis dans la raquette, non? Voilà, l'hoop. Oh, on a les dunkers en plus. Oh, vite, vite, le. Oh, c'est moche. Vous dunkez au moins, Irving, hein. Vous savez, c'est bon. Ah oui, ah dommage. Ah, ils défendent bien là, les Est, hein. Les poteaux. Pas comme moi, par contre. Je crois que tout match depuis tout à l'heure, je suis on fire, mon gars. Oh là, c'est quoi ça? Ok. Pas compris ce qu'il m'a fait. C'était bien les. En vite, il y a LeBron. Non, il y a pas LeBron. Mais il y a Pogasol. Enfin. Ouais. Enfin, c'était son frère. Hein. Raoul Gasol. C'était bien laid. Ah, viens là doucement, les West. Oh, on a forcé le game. J'aurais dû leur sortir. Oh! Oh là! Oh, oh, Blokorama! Blokorama spécial East Coast. Oh putain! De toute façon, pas de dunk du parc, y'en a pas. Alors que t'as combien? J'ai acheté 10, 91. Et pack de dunk, oui, si vous voulez. Oh putain, là, putain, on l'a chopé. Oh, oh non, il n'y a pas faute là-dessus. Oh ok, Curry, non. T'es où LeBron? La prise à deux varie ou pas? Allez LeBron, attaque le cercle bordel. Mais arrête de faire ta fiotte. Un ballon peut revenir en tous les 10 pour les West. Ils vont gâcher, illico. Tiens, Isaiah Thomas qui est entré en game. Oh, LeBron James, concourant de notre attitude. Oh là là, LeBron. Non, 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 on part en contre-attaque, on part en contre-attaque. Balance, balance. Non, non. Ah, si, c'était bon, en fait. Ah, merde.
s'est mêlé les pinces avec LeBron. Bon, c'est mon poteau LeBron hein. Allez, 30ème passé ou pas? 28, 29, 29. Bon, allez, faut qu'on vise les 30. Les 30 c'est le record. C'est le record ultime. Il va se faire bâcher. Oh non, bien joué. Oh bien joué. Oh bien joué. Le beau petit là, le Blake Griffin. Oui, j'ai déjà fait du basket. Pour de vrai, mais j'ai arrêté. Allez, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Tu m'as vu. Boum. Dans le cul. Ouais, ça va sceller le match. Ça. Oh oui, il se fait intercepter encore. Le bon. Bonbon. Ah voilà, là c'est James qui se démarque vers le panier. Attends. Ah, je suis dans la colle. Oula, va le retrouver, James. Lucie à la 3 points. Lucie à la 3 points, il était chaud dans le match. Tout le match, hein, sincèrement. Allez, il y a moyen en contre-attaque là. Pourquoi il veut pas me la donner? Je suis tout seul. Oui, LeBron. Au-dessus de tout le monde. Oh, le dunk du match, il arrive maintenant. Il l'a fait à la Aaron Gordon. Sauf que la mascotte, c'était Anthony Davis. En salle. Oh, il était sale celui-là. Il s'est rebâché. Bah, c'était dessus, gars. Alors, on fait une 2 avec LeBron. Vas-y, LeBron. LeBron, le poster. Oh! Oh, c'est moche ça! Commencer. Oh là là, avec lâcher comme ça, c'est. Oh, c'est moche. Dans les commentaires, si vous clashez un minimum, faites des beaux trucs qui fassent rire, quoi. Parce que là. Il faut arrêter de prendre tout méchamment. Oh, on l'a mis dans les vapes. Hein. Oh, mais... oh, LeBron. LeBron, allez, coupe, bordel! Ah merde! Putain, c'est bugué ça. D'accord, ok, c'est génial ce jeu. Oh bah. Attrapé par derrière, par carré. On va sortir. Oh, je mets pas la fin! C'est pas grave, c'est tranquille, de toute façon, tu vas rien faire. Ah là là, et la victoire, oui! 152 à 138. Ah là, est-ce que je crois qu'on a même pas fait 30 passes, je crois, merde. Ah si, on a fait 30 passes D. Oui! 152 à 138. points, 16 sur 24, 8 inters, 30 passes D. 40 000 pertes de balles. Mais ça, on le dit pas. On le cache. Ernie Johnson, on va voir le MVP du All-Star Game. Sans surprise, ça va être Bibi. Je crois que cette année, le All-Star Game, c'est le MVP est élu par les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, sincèrement. Ça sent le Kobe, forcément. C'est peut-être justement pour. Mais il y a grand chance que ça sent le Kobe. Un très beau ralenti, tout ça. Très très beau. Bon, on a mis quand même des beaux buzzer beaters dans les deux matchs qu'on a fait. Un de la victoire et un qui à la mi-temps tout à l'heure là, il était beau aussi. Hein. Donc on les clutch, là on a pété je crois un beau 3-6 et le mettre pas s'il est là je crois. Le nombre d'inters qu'on a fait, c'est n'importe quoi.
For Shaquille O'Neal and for Kenny the Jetman and the entire 2K Sports group, I'm Ernie Johnson. We'll see you again to start up the. Ah, si on en parle, mais petite perte de balle. T'inquiète pas. Enfin bref. Après. Putain, ça fait quand même plus de 2h, 2h30 qu'on est en live. Que vous me suivez. Si vous êtes là depuis le début, je vous remercie. Si vous venez d'arriver, je vous remercie aussi. 109 points provoqués. Alors ça quand même, 109 points provoqués. Mais quand on était sur le terrain, il y avait un coup de plus stress seulement. Alors même quand on était sur le terrain, on va gagner. Ça c'est sûr, mais il nous servait à rien. Alors, on faisait pas de dunk avec lui, on faisait rien. Ouais, Paul George, il a pas assez joué. Il a joué que 11 minutes. Voilà, il y a John Wall. Après, il l'a pas joué alors. J'aurais préféré John Wall que Irving, mais bon. Sullinger, ouais, 12 points sûrement en seulement 10 minutes à 6 sur 6. LeBron, 29 points, 8 rebonds, 8 passes. Chamé. Ah, ils avaient qui d'autre aussi. Dédé, on l'a peine vu, ouais. Je crois que c'est dès qu'on est sorti. Il est rentré. D'Angelo aussi, on l'a pas vu beaucoup. Bon, sur ce, on va en rester là. Je vais pas continuer finalement. Juste parce que j'ai plus de voix. Je m'en sors mal à la gorge. Faut que je m'habitue, c'est tout simple. Mais là, je vois que vous étiez quand même beaucoup plus nombreux à m'avoir suivi pendant ce live. Donc, ça me fait énormément de plaisir. Donc, je pense que j'en ferai limite un peu plus. Mais avant de se quitter, on va faire. Vous montrer du coup mes stats, il y en a ils voulaient mes stats. Ah cool, un signe débloqué, intercepteur, celle que je voulais depuis longtemps en plus. C'est quoi tes stats de saison? Bah je vais vous montrer. Ah. Tout ça pour finir. C'est quand ton prochain live? Ah je viens de finir un live et puis il est encore déjà un autre. Bah je sais pas, pour un autre événement, mais pourquoi pas en faire plusieurs, mais souvent surtout pour des événements comme ça que je fais plus de live, parce que j'ai plus le temps et je m'y force un peu plus. Ton voilà, t'inquiète, je vais le donner. Mais pour faire attention, faut que t'aies un minimum de fric, Seb. Du coup, vous voulez mes stats. Alors, mes stats. Tu m'as mis sur le joueur. Alors, on voulait mes animations. Alors, animation. Dunk. Alors, j'ai ça. Celui-ci. On a fait beaucoup de dégâts, celui-ci. Hein. Et ouais, celui-là aussi. Ces deux-là. J'ai pas le 3-6 athlétique, tiens, faut que je le mette. Oh, quoi, c'est un peu cheat. Et le double pass, chez John Wall. Ils sont bien stylés. Juste pour le 3-6 aussi. Mon parc animation, bah, c'est les mêmes. Il y a pas de. Je veux dire, y a rien. C'est quoi celle-ci? Pas de. Ah, bah si, j'en aime, je les ai jamais mis. Bref, voilà. Et stats de saison, du coup, vous vouliez mes stats. Leader de la ligue, bah, je crois que je suis dans les leaders de toute façon. 7ème meilleur marqueur de la ligue avec 23,3 points. T'as que dalle. Oui, bah si t'as rien, on pourra pas faire la transaction. 3,7 rebonds par match, 7,7 passes des 2 moyennes, 2 inters. Ah, je suis sûr, c'est un peu chaud quand même. Kim Durant, t'as plus de passes des que de rebonds et a plus de passes des que Stephen Curry, quoi. Ce jeu est magique. Même Anthony a 6. Oh là là, c'est n'importe quoi. 2 inters par match. 3,7 paires de balles. Alors, ça, c'est spécialité maison. Depuis au moins 8 ans. 3 points. Est-ce qu'on est les meilleurs? Ah, on est 7ème meilleur shooter à 3 points de la ligue. Ah bah, tiens, Irving est premier. Ceux-là, ils aiment même pas au concours de 3 points. Donc. Mais c'est pour ça. Et c'est qui ils avaient mis au cours à 3 points? C'est Chandler Parsons qui a gagné, il est même pas dans les meilleurs, quoi, je comprends pas. Le mec est même pas dedans, quoi.
Il est 36ème meilleur shooter à 3 points, ils l'ont sélectionné, d'accord. Déboulé. Bon, voilà. Mes statistiques et le classement. On est premier à l'Est. Ouais. Et au pire, de toute façon, je pense que je ferai des lives, si tu veux, des lives. Sans doute avec... je voulais aller... sans le dire les playoffs, je pense que ce serait surtout playoffs que je ferai des lives. Ouais, sans doute playoffs, ouais. Enfin, sur ce... 1293 MT, ça passe pas du tout, non. Pas du tout. Sur ce, je vous dis... bah, ciao tout le monde, et à la prochaine, donc... pour un nouveau live, et ça sera bien sûr retranscrit sur ma chaîne YouTube assez vite, même si ça fait longtemps, je sais pas si je ferai plusieurs parties. Mais sur ce, je vous dis ciao tout le monde, et bon All-Star Games to regarder ce soir. Si vous me permettez de suivre pardon, sur Twitter, je pense que je tweeterai un petit peu. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, peace!